22h. Le shit, c'est de la résine de cannabis. Le jeudi soir. L'herbe, la beuh ou le weed. C'est bon ça. C'est les sales gueules. Je fume la fleur qui a un taux de THC d'environ 15 à 20%. Bravo Myrta. Franchement, c'est cool. De 22h à 2h. J'utilise un grinder pour la décompacter. Tous les jeudis. J'ai besoin d'un stick. C'est les sales gueules. Pour faire un stick, je prends un filtre marocain. Ou un bédo, un joint ou un cône avec des slims. C'est les sales gueules. Exactement. Bon, comment je me procure tout ça? Bah, tu dis que c'est un ami qui la cultive. Des 22h. Et ça se cultive comment? C'est les sales gueules. Bah, tu sais, il y a différentes techniques. Alors, en pleine terre, en jardinière ou alors en placard. Oh putain, chaud. Bah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Il faut qu'on passe aux travaux pratiques parce que si on veut que tu saches rouler avant ce soir, il faudra qu'on s'y mette. Hein. Oui. Ouais. Attends, il y a quelqu'un au téléphone qui est plus chaud que tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir les fratés, ça va le sang? C'est le sang. C'est le sang. Nous avons tout avec nous. Salut les reilles. Ah là là, bonsoir tout le monde. C'est les sales gueules. On est un peu à la bourre, mais non. Bon. Non, c'est pas les sales gueules. Il dit que la team. Comment c'est pas? Parce que on va pas commencer. En marque, si je sais qu'il faut couper le podcast dès le début, c'est plus pratique. J'ai évacué le problème tout de suite. J'ai la team. Je veux juste dire que ce soir, si vous appelez pour faire Jean-Vincent Placé, évitez juste de la faire à Michel Leb. Essayez de faire un truc un peu plus sympa. Dédiez-lui un accent américain. Essayez. En tout cas, c'est les sales gueules sur 115ans.net. Big up à tous les gens à l'écoute. Big up aux gens sur l'IRC. Eh ouais, 115 ans déjà. Je me rappelle de la première. Et pour un bon moment. Oh putain, ouais, c'est vrai. Et nous sommes ce soir avec un invité, plusieurs invités d'ailleurs. Et le premier que je vais présenter, c'est pas celui-là. C'est Monsieur Gaïden. Bonsoir Gaïden. Attends, la foule t'applaudit. Merci. Attends, on a un mec super connu qui est là ce soir. Député En Marche. Ouais, c'est moi. Ça fait super plaisir. Il était en galère pour voir le match parce qu'il a pas canal. Voilà, exactement. Et comme j'ai pas pu devenir député En Marche, malgré que je vienne du monde civil et que j'ai rempli toutes les conditions, j'ai quand même fait l'école jusqu'au bout presque. Ouais. Donc j'aurais mérité ma place dans ce gouvernement. Et il est avec nous ce soir, c'est et ça quand même, qui est quand même beaucoup quand plus même beau. Là. Il faut juste être avec une vieille prof de français à la retraite. Quoi. Oui. Non mais c'est, le truc, c'est comment il s'est arrêté de jouer à Star Wars alors, du coup. Mais en fait, Battlefront, j'ai bien aimé au début et après j'ai trouvé que c'était un peu bof au final, mais il est bien quand même. Alors attends, on a quelqu'un qui appelle déjà, mais j'ai même pas présenté les gens. Allô? Oh non, mais non. Oui. Ça intéresse bien. Attends, bonsoir. Allô? Je voulais te dire, c'est Jean-Luc Lage, j'appelle pour le Hall Gamine. Non, raccroche, allez, ça c'est dégage. C'est parti, tu vois. Ça dégage. Allô. Alors bonjour, c'est Michel. Oh non, vas-y, raccroche. On t'allume, Itel. Raccroche, commencez pas. Allô, bonsoir, c'est dans 20 ans. C'est Jean. Ah non. C'est dans 20 ans. Si, je voulais préciser exactement ce qui s'était passé. Ah, alors attention, les vrais faits. J'étais en train de boire un verre quand je vois la jolie fille là qui danse. Oui. Et là, j'étais avec des amis. Il y avait Daniel Cohn-Bendit. Vas-y, elle est un peu vieille. Non, vas-y, c'est les vrais. Raccroche. C'est le vrai, les mecs. Attendez, c'est le vrai Jean-Vincent. Non. Non, mais il a raison. Et puis après, il y a Jacques Lang. Il a dit non, ça vaut pas la peine. Elle est pas marocaine. Non. Après, on sait pas qu'on va raccrocher. Bon allez, on va commencer cette émission, c'est bon, on a évacué. Ah, 22h18, les sales gueules, on est là jusqu'à moins minuit. Merci, on va prendre un bain avec un bracelet électronique. Alors attention, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22, je l'ai déjà dit, mais nous sommes ce soir avec Gaïden. Bonsoir Gaïden. Bonsoir, et j'ai une question, est-ce qu'on peut prendre un bain avec un bracelet électronique? Ah, ça c'est une bonne question, on pourra en débattre plus tard. Nous sommes également ce soir, attendez, laissez-moi parler s'il vous plaît, nous sommes avec le stagiaire. Bonsoir stagiaire. Ah, ça fait plaisir, nous sommes également avec Authentique. Ouais, bonsoir, on va écouter les Smashing Pumpkins après. Ok, on est aussi avec Manu. Bonsoir Manu. Ouais, salut les fratés. Qu'est-ce qu'il y a? Marseille. Bon alors, il y a le match de Paris. Il est là, Paga, ou pas? Il y a le match de Paris. On a un invité mystère aussi. Pour l'instant, il est invité mystère. Il est au fond du canapé. Big up, mon pote. Il est mystérieux, celui-là. Il est à fond dans le match. N'est-ce pas? Non, pas celui-là. Cavani vient de rater un truc et que c'est n'importe quoi. Je suis désolé. Fallait le dire. Ça valait le coup de le dire. Bon, alors, vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Je regarde le ralenti. Allô? T'es obligé. Oui, bonsoir. Mais non.
gros. Ça s'appelle une démission en direct. Alors, nous, on regardait le match. C'est qui, allô? Ah bah c'est Jean-Marie. Oh putain, non mais vas-y, raccroche-le. Ouais, et on a quelqu'un d'autre aussi. Non, pas le temps, pas le temps. Oui, bonsoir. Ouais, salut, c'est Roman Polanski. Salut Roman, comment ça se passe en Suisse? Oh putain, chaud. Bah écoute, il y a Jean-Luc qui vient d'appeler, qu'est-ce que c'est que ce bordel? De quoi il se plaint lui? Bah Jean-Luc Léa, attends, il me pique toutes mes conquêtes lui. Oh mais les gars, mais mettez-vous d'accord, déjà il n'y a plus Claude François dans le game. Ah, déjà, bah ouais. Ça vous en fait un de moins. Claude Quanta. Bon ouais, bon d'accord, il n'y a plus Patrick. On en parle après. Non plus, mais d'accord. Bon, hey, je suis désolé Roman, mais on a un menu, on a plein de trucs, on a un invité et tout, donc... Oui, comme a dit Nico la dernière fois, le hall gabine, c'est bon. Quel jour déjà? C'est le mercredi maintenant. Gros bisous, vas-y authentique, raccroche-moi à la gueule ma belette. Allez, avec Roman, plaisir, ciao. C'est mignon. Il y a une manipulation. Ah, et on accueille déjà quelqu'un d'autre au standard. Oui, bonsoir. Ils veulent pas me laisser parler. Est-ce qu'on va pouvoir parler normalement avec... Ça va être Nordal le Landais. Allô? Bonsoir, c'est Jack. Oh putain. On les a tous ce soir, merde. Putain, mais il est tard, on est majeur depuis longtemps, nous. Formidable. Oui. Non, formidable, non, non, merci, non, mais non, non. Quand non. Ça sort de ta bouche, c'est déjà un peu bizarre. Quoi. C'est quoi, raccroche Ouais, on va anticiper. Rigo, voilà. Oui. Rigo, oui. Est-ce que tu peux aller vite fait sur Betclic? Je mets 100 balles que le prochain, c'est Frédéric Mitterrand. Oui, bonsoir. Et par contre, non, les gars. Juste, Gaiden, je voulais vous dire. Pour l'instant, je vais rester 10-15 minutes et selon vos dons, il se pourrait que je reste un peu plus et que j'en dise un peu plus. Oui, donc vous avez compris. Mais pour l'instant, il n'y a pas tiper, assez de dons. Tipez. Ah là là, vous écoutez les sales gueules, ça fait plaisir. Bon, les gens qui appellent à la cool quand même, parce qu'on a un invité, surprise, il y a le stagiaire, on a plein de trucs. Manu, tu as le conducteur devant les yeux, parce que je vous explique un truc. Maintenant, les sales gueules, au bout de la saison 7 et de l'émission 9, on a un conducteur en ligne. Alors qu'est-ce que c'est? Un conducteur en ligne, c'est-à-dire que c'est un truc où chacun peut écrire dessus ce qu'il a prévu, ouais. Et donc tout le monde se connecte et peut le voir et peut rajouter des choses en fonction de l'actu, de ce qu'il a vu, de ce qu'il fait marrer, et tout ça. Il y a un paquet de trucs. Merci stagiaire. Il y a un paquet de trucs. Donc moi j'ai rajouté sur le conducteur pour ce soir, Iti Télatine. Alors attention, Manu, tu as le conducteur dans les mains. Est-ce que tu peux me lire un petit peu ce que tu vois sur ce conducteur, Gaiden? Écoute bien. Tu veux vraiment que je lise? Alors, on va avoir du canular au téléphone. Avec la voix de GG. L'alcool, c'est du riz. Exactement. On va parler forcément de Jean-Vincent Placé. Ah bah oui, déféré maintenant. Forcément. Voilà. Il paraît que tu as des petites questions actuelles, Rigo, qu'il y a aussi le jeu sur le remix. Alors oui, alors d'ailleurs, le jeu sur le remix, je vais faire participer Gaiden. Ouais, je suis chaud. Parce qu'il n'a pas écouté le remix. Exactement. Il y aura aussi un quiz de calcul mental, effectivement. Ouais, je suis super bon en calcul mental. C'est vrai? Ouais. Bah parce que nous, à la dernière émission, on a trop montré qu'on était des grosses brêles. Moi, je pense que je vous mets tous à l'amende. Je m'avance. On a été très mauvais, mais il faudra pas que tu regardes mon écran. Qu'est-ce qu'on a d'autre, Manu? Stagiaire, tu te rappelles pas? Il y aura Jean-Fabien qui a encore été aussi nul que d'habitude. Ah, il y aura. Oh, je sais pas, on va parler en vrac, hein, de Maître Gims, de YouTube. Ouais. De Jean-Marie. Moi j'aimerais bien que Jean-Michel Gaiden... Maire et Soraya, il y aura des messages répondeurs. De Laetitia. Il y aura un prof, le prof d'un auditeur qui est un peu louche aussi. De Jacques et Michel. Oh là là, il m'a envoyé un message tout à l'heure à Ebelic. Appel tout à l'heure. Et on va parler d'une radio. Oh putain, on va parler d'une radio. Exactement. Ouais. Non, pas ce soir. Ah, une radio dont vous n'avez jamais entendu parler. Ouais, grâce à Petit Tonnerre. Il y a Petit Tonnerre qui m'a envoyé des extraits d'une radio, mon pote. On a tapé des bar avec le stagiaire, on s'est dit mais c'est pas possible, c'est des archives de 2013 et on les a réécoutées et en fait on a mis la radio en direct et c'était exactement la même chose et c'était un truc de ouf et on en parlera tout à l'heure. On va peut-être parler de Paul Naref et d'Afida Turner aussi, c'était pas sur le conducteur mais quand même. Manu, t'as du dos. Ah bah c'est pas moi, c'est Closer hein. C'est quoi, c'est du featuring artistique ou c'est de l'embrouille de vieilles célébrités? Bonne question. Parce que c'est quoi, c'est des has-beens qui se tapent dessus? Ah non, ils s'enculent. Oh, magnifique. Magnifique, il va peut-être réussir à faire un... Non, je n'en ai pas. Alors bon, après, j'ai pas lu le Closer, donc je ne sais pas qui encule qui. Ouais. Bon, oh mon aussi, dieu, putain. Bah écoute, quand tu vois les photos d'Afida Turner, tu te poses des questions quand même. Moi j'avais vu une vidéo où elle montrait ses uns sur Twitter. C'était j'ai vu sa dernière photo en maillot de bain, elle a pas de bite. Hein. Et vous l'aviez pas reçu à l'époque non Allez, ah ouais, tiens, c'est, Manu, c'est à l'époque du Love, vous l'avez pas reçu pas, ouais.
Très bonne question. Non, je crois pas. On a reçu que la call girl là, qui se faisait payer par des milliardaires pour baisser sa culotte. Luana. Non, non, une autre blonde, je sais plus son blaze. Elle était venue sur le plateau avec. C'est Laurent Ruquier, non. Et elle est en plus. Elle avait son macro sur le plateau. Elle est accusée de proxénétisme. Mais oui, c'était malaisant de ouf. Oui, oui, oh, mais oui, mais oui, mais oui. Elle fait des trucs en Russie. C'est elle qui envoie à Dubaï des gamines de télé-réalité. Ouais, et on a quelqu'un au téléphone d'ailleurs. Oui, allô. Ouais. Ah, c'est Mouche. Salut Mouche. Oh putain, t'appelles au bon moment, toi. Alors. Salut Mouche. Ah, et il y aura aussi dans le conducteur, j'ai pas fini, un gros coup de gueule de ma part. Ouais, ta part, ouais, ok. Et aussi une exclue BFN TV. BFN TV, oh là là, ça s'annonce énorme ce soir. Non, franchement, là, franchement, les gars, il y a ouais, du lourd. Hein. Ça t'a fait, moi j'ai rien foutu, mais ça t'a fait. Franchement, y a c'était Monel, le nom. Ça, on vous va vous être attaqué en diffamation. C'est une des premières fois que le stagiaire a cherché une info en direct. Merci pour cette réponse que nous couperons du podcast. Et j'ai trouvé la réponse. Ah, alors attention. J'ai trouvé la réponse avant d'avoir trouvé sur Internet. Ah, bravo, mais c'est vrai, mais je n'avais même pas réalisé. Je suis prêt pour le calcul mental. C'est faux, t'as tapé plus deux fois Love Story, t'es ton visage. Non, j'ai tapé prostitution TV réalité. Bon, les gars, alors attendez, on va poser cette émission, parce qu'on a Mouche au téléphone. Mouche, tu m'as contacté pour un truc précis, on va en parler tout de suite, parce que ça concerne en plus Gaïden qui est à côté de moi, qui est un peu occupé pour l'instant, mais c'est pas grave. Ouais, dans encore 5 secondes. Ah. Bon, Mouche. Comment ça va? Alors, voilà. Ça te fait plaisir qu'il y ait Gaïden avec nous ce soir quand même? Ouais, carrément. Et tu vois, je l'avais mis dans ma liste et je me suis trompé. Et moi, j'appelle. C'est vrai. Le sale remix. Yo, Mouche. Et je pense que j'ai poutré tout le monde. Alors, attention, Mouche, il appelle pour le sale remix qu'on a mis sur YouTube et dont on avait proposé aux gens de nous donner les voix des artistes qu'ils reconnaissaient dedans. Je crois que c'est Morel qui a reconnu le plus de personnes, je crois. Pour non, c'est Mouche. C'est Mouche. Ah, oui, mais on l'a pas encore entendu. On voilà, sait pas. Alors attention. Ah, oui, mais pour l'instant, jusqu'à présent, c'est vrai. Avant. Voilà. C'est vrai, on avait Momo, ouais. qui avait bien assuré, pardon. Qui avait bien assuré. Combien il en avait trouvé, l'invité mystère, qu'on sait que c'est Momo? 6. Regarde, on avait trouvé 6. Et Jean-Fabien, il en avait trouvé quelques-uns, je sais plus combien il en avait trouvé. Et Mouche, attention. Oh, il a bien reconnu Evangélie, Jean-Fabien. Attention, Mouche, t'en as trouvé combien, toi? Moi, j'en ai 13. Oh là là, il en a trouvé 13. Mais est-ce que c'est des bons? Pas mal. Mais t'as, dans la liste, t'as oublié Ozone et Tribal King. Non. Et n'oublie pas que tu vas bientôt peut-être gagner une tasse qui cassera au micro-ondes, la Tax Radio. C'est pas vrai. Vous êtes mauvais. Alors attention, moi j'ai ce remix sous les yeux, je vais le mettre, on va se l'écouter un petit coup parce que ça fait plaisir. Et donc je vais proposer à Gaïden d'essayer l'artiste. Il y en a 28. Il faut trouver les artistes, on est juste sur le... Voilà, l'artiste, tu reconnais une voix, tu la mets dans ta tête. Je vais compter et je vais dire si j'en ai au moins 13. Est-ce que tu veux les noter? Bah non, je vais les compter déjà, je vais les compter bêtement. Ouais. Ouais, je peux noter par contre si tu me donnes un papier à la limite. D'accord, alors est-ce qu'on peut donner un papier, un stylo à Gaïden? Moi j'ai un... Est-ce que ça existe encore? Ah non, c'est une place... Attendez, j'ai une place de concert, c'est quoi? Jaya. Yannick, oh la Jaya, honte. C'est ça, Jaya? Je sais pas. Java et M. Ah, ok. Ah bah attends, faut pas écrire dessus ça. Non, s'il vous plaît. Excusez-nous, ouais. Hein, on fait la popote à la maison. Alors attention. Ah mais non, je peux même pas mettre le remix. Alors attends, je mets juste le début pour que tu me dis si t'entends bien. Ouais, c'est cool, j'entends. Ok. Moi j'entends bien. T'as reconnu deux voix là ou pas? La deuxième, j'ai un doute, mais il faut que je sois concentré. Ah, c'est chaud. Mouche, n'essaye pas de m'en empêcher, Mouche. N'essaye pas de m'en empêcher, Mouche. Mouche, il en a trouvé 13. Attention, tu joues pour gros. Il dure combien le remix? Vous pouvez jouer aussi. Le remix, il dure. Il fait 5 mégas, je sais pas. 2 minutes 17. En sachant qu'il y a des voix qui se répètent, qu'il y a des artistes que tu peux entendre deux fois. Ok, d'accord, on va juste trouver les artistes. Okay. Est-ce que tu veux la version vidéo avec le playback, comme tout le monde? Ah oui, ah bah, t'as le droit. Tu peux être à armes égales, quand même. Armes égales. Alors, armes égales. Et est-ce que ça compte si on a trouvé ceux qui sont pas dedans? Parce que moi, je les ai tous. Non, mais non. Non. Bon. Y a pas Alpha Blondie, Mister Salgueule, si Filouz, mais ça, c'était pas dans ce remix-là. C'était dans un autre remix, parce qu'on a fait d'autres remix carrément. Rien ne nous arrête. C'est super fort et c'est pas grave. Je suis prêt. C'est juste pour vous réveiller un petit peu. Alors attention, Gaïden est prêt. Tu vas pouvoir regarder sur mon écran. C'est pas dit que je sois plus fort que Mouche. Mouche a l'air très fort. Ah, Mouche, il en a trouvé 13. Alors attention, on va s'écouter le remix. Authentique, est-ce que tu peux couper la petite musique de fond pendant que je mets le remix, s'il te plaît? Ça dure 2 minutes. Attention, ah bah tu l'as coupé. Je sais pas comment t'as fait. Ah, attention, remix. Vidéo.
Plus l'émission m'abrutit, plus j'ai envie de taper des barres. Attendez, il est perdu, Gaëtan, il est perdu. Ça va très vite. Ça va vite, hein? Ça va vite, j'en ai noté. Eh, mouche. Ouais. Grâce à toi, on a eu combien de vues pour trouver 13 personnes dedans? Ah, moi, j'ai écouté deux fois quand tu l'as posté, et hein, une fois tout à l'heure quand je t'en ai redonné. Oh, pas mal. Donc, t'as trouvé 13 en 3 écoutes. Là, ouais, en écoutant que le début, t'en as trouvé combien? 1, 2, 3, j'étais en train de douter sur un quatrième. Ah, excuse-moi. En train de douter sur un quatrième. Oui, Mouche? Ah non, autant pour moi. Bon, je suis désolé, je recommence. On recommence. T'inquiète, je reste concentré. Essaye de rester concentré, on se l'écoute une fois. Plus l'émission m'abrutit, plus j'ai envie de taper des barres. Je salirais. Écoute cette merde. Envoie un peu volume. C'est moi le tricot. Dis le stagiaire, même si on passe pas à l'antenne. On sort pas les couilles. Je salirais, salirais. Je l'aurais fait guère. L'émission qui a fait peur aux Français. C'est moi le tricot. Dis le stagiaire, plus l'émission m'abrutit, plus j'ai envie de taper des barres. Même si on passe par l'antenne. Voilà, c'était le remix des sales gueules, le dernier sale remix en date. On va, se remettre dans l'émission. Petite musique de fond, mon cher authentique à la technique. Je suis battu. On est toujours dans la place et les sales gueules avec le stagiaire qui est là-bas. Yeah. Manu, t'es toujours là, hein? Je suis toujours là, t'inquiète. T'en avais trouvé combien, toi, de ce remix? Moi, franchement, bah, ils n'étaient pas dedans. C'est vrai. Alors attention, on va demander à Gaiden, qui était très attentif. Ça m'a fait très plaisir de te voir là, en train d'essayer de gratter et tout, machin. T'as compris tout ce que t'as entendu au niveau paroles? Ouais. J'ai compris tout ce que j'ai entendu. Alors attention, est-ce que tu peux nous dire combien tu en as trouvé? J'en ai 11 et il y en a un 12e sur lequel j'ai un doute. Mais quoi qu'il en soit, je suis battu. Je vais regarder la fiche de la réponse et nous allons écouter tes propositions. Là, je les balance comme j'ai ça. J'ai la réponse sous les yeux. Alors, qui as-tu reconnu, toi? Bustaflex. Ouais. Booba. Ouais. Youssoupha. Ouais. Rof. Ouais. Orelsan. Ouais. Sefiu. Ouais. Fab. Ouais. OGB. Ouais. Doc Gynéco. Non. C'est Marc-Olivier Fogiel. Bien vu. Il n'y a pas de Doc Gynéco. Non. Ok, bon, je me suis. Doc Gynéco, non. Manu aussi, il m'a dit. Ah, tu vois, moi aussi, je l'ai reconnu, Doc Gynéco. Non, non. Bon, Kerry James, mais c'est pas. Kerry James, effectivement. Et attention, il y en a un que personne n'a trouvé, c'est. C'est son amange de l'ormo, je sais pas quoi. Non plus. This is la peste, non? Si, il y avait This is, c'est sûr qu'il y a This is. Oui, il y a This is la peste que vous n'avez pas reconnu, les autres. J'ai deux doutes. Je les lance quand même. Écoué? Non. Et Rockin' Squat? Non plus, okay. Il n'y a ni Equay ni Rockin' Squat. Donc je peux vous dire que Mouche, c'est Mouche qui en a le plus. Mouche en a plus. Deux balles de Neg. Non, il n'y a pas deux balles de Neg. Necfeu, non? Alors je vais vous lire. Alors non, je vais essayer d'aller vite. Il n'y a pas Necfeu? Alors il y a Necfeu. Ah, il y a Necfeu. Putain, j'ai même pas reconnu. Ça t'est égal d'être du côté du spectateur? Ok.
Je connais plus Nekfeu que c'est. Putain, et c'est moi qui réponds. C'est choquant. Merci, oui, merci Authentique. Non, franchement, tu mérites un truc quand même. Hein. Tu mérites un petit pochoir, les sales gueules, fait en direct sur un de tes meubles. Un petit pochoir, si tu veux, il n'y a pas de problème. Putain, je vais en avoir des trucs à couper ce soir. Alors, Mouche, t'as gagné, on va se concerter, voir ce que t'as gagné, mais moi j'aimerais bien que te faire gagner. Moi j'ai un album ici, je le laisse pour Mouche, voilà. Oh putain, c'est magnifique. Ah, c'est canon ça. Moi je parle au nom d'un artiste qui nous suit, il y avait une bombe de peinture. C'est beau, c'est généreux ça. La bombe de peinture pimpée GG. Moi je pense qu'elle peut te revenir. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui vendent des tasses pendant que nous offrons un CD dans cette émission. C'est vrai. Et d'ailleurs Mouche, tu as dit. Attention quoi ? Égalisation du PSG. Mais non ! Oh magnifique ! Personne va nous battre. Allez, remballez Saint-Etienne. Bon excusez-nous, voilà. Et Saint-Etienne nous battra pas. T'es latine ! Allez Ruffier, casse-toi de là. Et qu'il est con. Bon Mouche, t'arrives à comprendre où on en est ou pas ? Ouais, bien sûr. Bon, t'as gagné. Mais alors, c'est lesquels que Mouche, il a et que alors, attention, pas. Mouche, tu vas nous donner ceux que t'as et moi, je vais rajouter ceux qui manquent. Alors, attention. Alors, la première phrase, les sales gueules. Vous l'avez reconnu tous les deux, c'était Youssoupha. Ouais. À 22h, Bustaflex. Okay. Il y a un tout petit c'est, mais bon, il compte pas, c'était Nekfeu, mais il y a un autre truc de Nekfeu. Après, on a un, plus l'émission m'abrutit. Orelsan, okay, vous l'avez trouvé tous les deux. Plus j'ai envie de me taper des barres, c'est This Is. Ouais, on est d'accord. Ah, je l'avais pas. Un peu plus loin, il y a Écoute cette merde. Ça, tu l'as trouvé Mouche. Je crois que c'est Danny Dan. Écoute cette merde. Ok, bien, ouais. Voilà, il y a Danny Dan. Il y a Loucha du morceau Loucha, Raphaël et Chayem. Écoute-le. Branche ton poste, augmente le volume. Okay. Fais tourner la cassette. Ok. Ça, donc il y a Augmente le volume. Après, on arrive à. C'est Manu. C'est Gizmo. Ah, fallait le trouver. Le Rigo, c'est Iqbal. Putain, Iqbal, j'ai eu un doute, mais c'est tellement pareil que Rof. En fait, c'est dans une animation de mixtape. Okay. Tu vois, c'est dans une animation. Je pense que Mouche, toi comme moi, on s'est dit que c'était Rof sur les deux extraits, en fait. Ouais, c'est dans l'escadrille avec Rimka du 113. Ok, d'accord. C'est sur une prod que j'ai bossé. Ah ouais, mais l'escadrille. Rigo. Ok, voilà. Alors, l'escadrille, je te l'ai donné en fin de journée. Putain, bien wesh, l'escadrille. Ah ouais. Non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai en plus, Mouche, putain. L'escadrille, en plus, faut trouver parce que je trouve que c'est pas forcément hyper. Trésor et César. Un court extrait. Rigo ? Ouais. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules. Merci, 01 77 62 40 22. On en parlera après, là on est dans l'histoire du remix parce que Mouche a gagné, franchement ça s'applaudit. Voilà, c'est fait. Et sinon, on continue la liste. Attendez, j'étais en train de continuer la liste. Manu, il y a qui après ? Je sais, il y a Doc Gynéco. Authentique, c'est Kerry James. Le stagiaire, je l'ai pris dans le RC. C'est une phase de Marshall, mais ça, personne ne l'aurait trouvé. Après, il y a hein, de qui de Marshall. Ça fait plaisir. Merci. Il y a une phase d'Hugo TSR. Même si on passe pas. C'est cool. Putain, ça, c'est cool. On s'en bat les couilles, c'est Booba. Violent et vulgaire, c'est Rof. L'émission qui fait peur aux Français, c'est Few. Et enfin, il manque quoi pour faire la fin ? Si tu veux appeler, c'est Big Flo. Big Flo de Big Flo et Oli. Tu connais même le numéro, c'est un mec qui s'appelle Joke. Okay, après, il y a encore Kerry James. Après, il y a la section d'assaut. Je sais plus qui c'était. Toi, tu sais qui c'était ? Tu m'as dit son nom. Le Fa. Non, je crois pas que c'est Le Fa, c'est un autre mec. Après, il reste qui ? La deuxième femme de Maître Gims. Vous avez raté Niska. Franchement, tu fais pitié. Ouais, je connais pas, en fait. Ah, j'écoute pas. Putain, les joyeux Ranouka. Après, il y a du Niro. Après, il y a Volteface, je connaissais pas. Caballero, je connaissais pas. Alonso, tout le monde s'en bat les couilles. L'entourage, laisse faire les grands. Enfin, voilà, OGB, Nekfeu. Donc, bravo, Mouche. Ouais, bravo. Et comme moi, je suis un putain d'assisté, tu vois, dans ma vie, parce que je bosse pas. En fait, c'est toi qui m'as payé mon RSA, connard. Donc, merci, Mouche, hein, Manu. Bah merci Mouche, effectivement. Donc on va se débrouiller pour t'envoyer le CD et la bombe de peinture, ça nous fait plaisir. Elle est pimpée GG, les sales merci gueules. Beaucoup. Ça nous fait plaisir. T'es un auditeur de longue date en plus, Mouche. Ouais, saison 2, quelque chose comme ça, début de la saison 2 peut-être. Ouais, carrément. Oh merde, et t'as tenu jusqu'à maintenant, putain, mais bravo mec. Nous qui avons tenu. Ou moins de loin, mais ça, j'arrive à capter quand même les podcasts. Eh bah, big up à toi, c'est cool d'avoir appelé, et du coup, t'as gagné en plus. Alors là, c'est la totale, et Paris a égalisé. Ah. Oh, quelle honte! Que du bonheur. Big up, mon pote!
Une bonne soirée à tous. Bravo, bonne soirée, mon pote. Soirée. Salut, cool. Mouche. Merci d'avoir appelé. Merci beaucoup, bonne soirée. 01 77 62 40 22. Putain, on a fait un moment dessus, mais c'était obligé. J'étais obligé. Ouais. On se fera faire le point. On se fera des petites pauses musicales un peu plus tard dans les sales gueules. Ouais, j'aimerais bien qu'on en fasse une maintenant. Paris l'a égalisé sur un but contre son camp, quand même. Ah ouais, un but contre son camp. Et bah, pour la peine, on va mettre un disque et on se retrouve tout de suite après. On est avec Guy Payne dans la place. On va parler rap. Parce que Manu, il aime le rap français. Ah, on va parler rap. Est-ce que comme premier extrait, on se mettrait pas pour en finir, on se mettrait pas Naps recherché, tu vois, pour bien commencer. Non, ça, on va en parler parce qu'on a un artiste. Non, on passe Naps recherché, moi je dis. Je sais pas où il est, il est recherché, d'accord. Et on se retrouve tout de suite. Par exemple. Vous êtes sérieux? Mais non, c'est quoi ça? Vive la République! Vive la France! Bonsoir. Manu, c'est toi qui. Même pas de jingle, faut qu'on cause là. Attends, enlève, parce qu'après il y a de la vraie musique. Ah oui. Non, la grosse caisse claire qui arrive, c'est pour la prochaine pause disque. Manu. Oui, je suis là, bien sûr. Manu, alors, faut qu'on parle. C'est de ta faute cette musique là. Mais c'est pas de ma faute, c'est le tube de 2018. Alors les gars. Faut que je vous explique ce qui s'est passé dans le studio pendant la musique. Il y a quelqu'un à côté de moi qui était choqué, mais pour de vrai choqué, les gars. Mais vous êtes tous des incultes, les gars. J'étais recherché, j'étais même pas au courant. Bon, allez, les gamins, allez vous coucher maintenant. Non, Manu, un peu de sérieux. On a Gaiden avec nous. Tu peux remettre un vrai beat de rap, s'il te plaît, déjà. Voilà, déjà. Mais non, le mec, c'est des génies, tous ces gens, vous comprenez pas. Bon, alors, Gaiden a très mal vécu ce moment. Il m'a dit, non, mais mais vous êtes des ouf de passer ça. Il me l'a dit, mais genre, mais il était mal à l'aise, mais vraiment. Bon, alors, moi, je te le dis, Gaiden, le responsable de ça, déjà. Bon. C'est moi, j'assume, Gaiden, c'est moi. Voilà, Manu est fan de Jules. Ouais. Manu est fan de Ritza. Je connais pas. Manu est fan de toutes ces merdes là, l'autant claquette et tout là. De NAPS, de Brulux, de Flux. Oh là là. Et je vous jure, dans les genoux, je te passe sur BFM TV. Attendez. Putain, Brulux de Flux, un tueur à gages. Et les truands de la galère dans tout ça, non? Un peu. Non, Manu, non. Non, mais je kiffe. Ouais, Manu, il kiffe. Ah, c'est premier degré, d'accord, je n'ai rien dit. Ah, mais bonsoir. Je suis très très premier degré là-dessus, à fond, je kiffe à fond. Bon, alors, ça peut faire 01, un débat. 77, 62, 40, 22. Pour nous appeler si vous êtes plutôt. Alors, Gaiden, pour toi, c'est pas du rap déjà? On est d'accord. Tu peux pas dire c'est du rap. Je sais pas. C'est un truc, c'est ce qu'on appelle du mainstream, voilà. Tu vois, est-ce que tu m'as entendu dire une fois que c'était du rap? Ah mais non, mais enfin t'aimes cette musique quand même. Ah on est d'accord. Tu aimes cette musique, Manu. Et t'aimes vraiment pour de vrai? J'adore. Bah, je vous avoue, ce que j'ai fait, c'est que j'ai supprimé le lien sur ma page pour pas que les gens que je connaisse. Alors là, j'applaudis là. Je me désolidarise de ce morceau. Franchement, je crois qu'il a 10 millions de vues, donc il a pas besoin. Mais c'est vrai, qu'est-ce qu'on s'en va les couilles, Manu, t'as kiffé? Mais bien sûr. Mais voilà, kiffé, on a fait kiffer notre poteau, les gars. Ça tout, le Naps. Mais oui. Je connaissais pas. J'ai tendu une oreille. Dans ma tête, j'entendais Manu qui était en train de me chanter. Voilà, ça m'a fait délirer. Heureusement que Michel m'a mis hors antenne parce que j'ai chanté tout le morceau, les gars. Ah merde, on a raté ça, putain. Faut faire une parodie, hein. Faut faire une petite parodie, Manu. Ça ferait plaisir quand même. Non, mais on peut pas parodier ce qui est déjà une parodie. C'est vrai. Parce que tu vois, même si je suis fan, que j'aime bien et tout, j'ai quand même du recul. Ah, mais j'adore. Mais t'aimes la vibe. J'y peux rien, j'adore. Le truc qui m'ambiance. Voilà. Le truc qui m'ambiance. Voilà, le mec il se laisse ambiancer par ce genre de vibe. Moi pas vraiment. En plus, le mec il est gentil, tu vois, dans le refrain, il me prévient. Handek le Cruz, il y a des civils dans le Tourane, je fais gaffe. Handek le Cruz. Non, mais Manu, tu nous fais une parodie. Tu nous fais une parodie de ça, genre. Allez, une petite parodie, Manu. On a quelqu'un genre qui nous... Je t'ai demandé de tipper, j'étais pas au courant. Oh, et voilà. Alors, nous avons... J'étais au studio et j'avais pas un rond. nous avons quelqu'un avec nous. J'étais au studio tout le temps, il coupait le courant. Bah, stop. Ouais, c'est possible. nous avons quelqu'un sur Skype avec nous et on a deux personnes aussi au standard. Oh là là, allez, c'est parti. Trois d'un coup, mais ça va vite raccrocher, c'est une bande de caves, regardez. Alors, attention, on va prendre... Allez-y.
Oui, bonsoir. Ah, voilà. C'est beau, voilà, c'est ce qu'on attendait. Alors, j'ai reconnu Olivier Roux, tu peux le raccrocher. Non, c'est pas Olivier Roux. Voilà. Si, si, j'ai entendu Olivier Roux, tu peux le raccrocher. Voilà, ensuite. Alors, ensuite, allô. Petite question, oui. Oui, bonsoir, j'ai une question. Ah. La musique que vous avez diffusée, c'est une copie de la Basse Radio, pour être de la merde pareil. Oh là là, quel horreur. Alors, cette personne n'a rien à voir avec nous. Allez, on cautionne pas. Non, ah, plus, c'est Manu, c'est Manu. Plus, est-ce que t'as entendu des corbeaux sur ce disque? Non. Tu es con. J'ai entendu François Fillon en l'argent, alors... Non, mais on n'a qu'une seule chose à dire par rapport à la diffusion de ce morceau. C'était une erreur. Voilà. Non, c'est faux, c'est mais faux, si, c'était pas Manu. Du tout une erreur. Si, si, laisse-moi, s'il te plaît. Gros, c'est vrai. S'il te plaît. C'était très bien. Manu. Je le regrette profondément et je présente mes excuses aux Français. Voilà, nos excuses. Jean-Vincent Placé, c'était pas une erreur, peut-être. De quoi ? Oh, raccroche-le, il parle de Jean-Vincent Placé encore. Il va me donner du boulot au podcast encore, lui. Et il y en a encore un autre au téléphone, allô ? Ouais, salut, c'est Alors, moi, c'est pour emmener Manu au Hellfest, histoire de changer son esprit musical, là. Ah, Manu, il y a quelqu'un qui veut t'emmener au Hellfest. Tiens, Gaiden, t'es déjà allé au Hellfest ? Non, je vais pas au Hellfest. Ah, bah non, c'est bon. Attendez. Merci, Manu, franchement, s'éclate, là-bas. Franchement, ça te plairait. Non, ça pue la merde, ça pue la merde. Il y a que des mecs en blouson de cuir qui boivent de la bière et qui puent la sueur. Non, c'est bon. Ah non, franchement, c'est clair, t'as bien. Non, ils écrasent des poussins à coups de Rangers au Hellfest et tout. Non, j'y vais pas. Bon bah, désolé, hein, mais c'est pas la... Toi, pareil, hein, Gaiden. Je suis pas trop rock. Ouais, moi non J'ai plus. Rien contre, le mais... stagiaire, le Hellfest. Ouais, pourquoi pas. Ouais, hein, toi, pourquoi pas. Boire de la bière. Ouais, ok, authentique, le Hellfest. Ouais, pourquoi pas. Mais enfin, c'est dans un bled déjà paumé, alors déjà, ouais. c'est loin. J'ai vu une vidéo... Ouais, franchement, bon esprit, hein, les gars. Ouais, j'ai... Une fois dans votre vie. Hein. Non, moi, ça ira. Invité mystère surprise, non, Hellfest, non. Il y a le Download Festival qui est bien plus près, là, dans très peu de temps. Il y a Marilyn Manson, il y a des trucs sympas. Bah voilà, ça, ouais. Par contre, ça va être sympa, ça. Ouais, Download Festival, non, je crois que c'est mois de juin. Faut que je prenne mon billet, je crois, ce mois-ci, d'ailleurs. Et ouais, il y a Ice Cube ou Ice Cube, je sais jamais, avec Body Count cette année. C'est ça a l'air d'être bien sympa. Et combien ça coûte pour aller passer un petit moment là-bas? C'est celui qui fait... 190 pour le L7, ouais, ouais, la position ouais, de prendre sa place en novembre, mais les places se vendent très très vite. Ouais, et c'est le seul festoche qui a réussi à vendre toutes ses places avant même d'annoncer la programmation. Ouais, et puis 190 balles, bon, tu passes quand même 2 jours, ou peut-être 2 jours et demi, un truc comme ça, je pense. 3 jours, ouais. T'as quand même 7 scènes et 160 artistes, quoi. Et tu parles de quoi, là? T'en as pour ton blé, quand même. Du Hellfest? Ouais, non. Non, mais j'ai commencé, c'est pas du vol. Après, pour les chevelus qui aiment bien la bière... Ah ouais, allez-y, si vous aimez, allez-y, foncez, tout ça. Moi, même pour du rap, c'est pas mon délire de partir 2 jours comme ça. Même pour du reggae. Ouais, bah, franchement, non, plus non, ça ramène du monde et puis ça fait vivre, vivre le patelin, quoi. La boue. Voilà, bah, tout le monde est content, même le curé. Les cheveux longs, la bière, la boue, les cheveux longs, les chiottes publiques. Non, mais oh. Et ça fait vivre un peu, non, franchement, c'est très bien. Franchement, ami chevelu, va au Hellfest. A plus tard, les gars. A plus tard, n'hésite pas. C'est pas au Hellfest qu'il y avait eu des grêlons qui avaient blessé des gens. On a déjà quelqu'un d'autre à sa place. Oh là là. Allô, bonsoir. Allô? Oui, bonsoir, je m'appelle Pierre Bélanger, c'était pour... Alors, non, les biquettes, tout ça, bonsoir. Alors, attendez, parce qu'on a quelqu'un sur Skype, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut lui parler enfin? Bonsoir. Bonsoir à tous, comment ça va-t-il? Ça va, et toi? Ça va impeccable. Ouais, moi, ça va. Moi, je suis un petit peu déprimé parce que j'ai téléchargé l'application 20 minutes. Oui. Ça faisait 20 ans que j'étais pas au courant de ce qui se passait en France. Ah oui, alors est-ce que tu peux te présenter quand même? Parce que ici on se présente, tout ça. Je sais plus où est l'insert. Je suis Tom from New York. Désolé. Ah, Tom from New York. J'ai cru que c'était quelqu'un d'autre. C'est les voix. Je reconnais pas les voix. Je reconnais les numéros. Tu n'as pas 30 ans de radio. Non, je reconnais les numéros. C'est mieux. Ça mal. J'ai une liste. Ça me rappelle quel lien? J'ai une liste. Je reconnais le numéro. T'as déjà appelé, toi? Je reconnais ton numéro. Ah, au fait, pour revenir sur le mendiant de l'amour, ça y est, j'ai fini la parodie du refrain pendant que vous parliez. Ah putain, ça, je l'attendais, ça. Ouais. Ok, on en parlera tout à l'heure. Pour l'instant, on est donc avec Tom de New York. Bonsoir, Tom. Bonsoir à tous. Ok, bonsoir. on est avec Joyeux Hanouka. On est avec Gaiden aussi. Bonsoir, Gaiden. Joyeux Noël. Merci. Il est bloqué sur quoi? Sur les sons, là? Tu regardes un peu? Non, j'écoute, j'attends. Alors, on est avec Tom. Bon, Tom? Tom, alors, qu'est-ce que tu as découvert sur l'application 20 minutes? Oh putain, le stagiaire! Vous? C'est pas moi! C'est pas moi! Non, mais ça allait parler de 20 minutes, tout ça, donc je me dis... Et c'est pas Olivier Roux. Ah ouais, attention! On se met dans l'ambiance, quoi.
Ah ouais, on peut faire ça. Donc, bonsoir. Bonsoir. Vous allez être drôle dans 20 minutes. Vous allez tout apprendre de l'actu française grâce à Tom from New York. Vue de New York. Alors, qu'est-ce qu'on apprend à New York ? Moi, j'ai zappé un peu là. Il y a des mecs qui mettent des tartines à des bons débutants. Il y a des mecs qui tuent des mômes de 8 ans d'une tartine, ça c'était pas cool. Oh là là. Il y a des gens Vincent Placé. C'était une crêpe, c'était une crêpe. C'est hardcore. C'est quoi cette histoire de crêpe à 8 ans années, Ah bah non, les gars. Je suis pas au courant, moi. Je connais pas les bails. Hein, donc, non, pas les enfants, tout ça. Je sais pas ce qui se passe. Après, alors, Tom, qu'est-ce qui se passe ? Bon alors. Ah mais il allait dire Jean ouais, Vincent Placé. Ouais voilà, il allait dire Jean Vincent Placé le mec, il peut pas. C'est... T'es assez d'être coupé. Je suis obligé. Okay. Le gars, je le prenais pas au sérieux quand il était à l'environnement. Ouais. En fait, écoutez Tom, vous n'êtes pas français, retournez dans votre pays. Ici c'est la pile. C'était une merde Jean Vincent. Ouais, franchement c'est une grosse merde. Et je peux remettre mon ordi comme ça en fait, je l'avais mis pour que tu vois tout à l'heure. Bon, bref. Ok Tom, bah ça fait plaisir, merci d'avoir appelé. Je veux plus voir. Non. Merci. Non, je déconne. Et tu sais qu'on allait, parler d'un truc, je t'ai envoyé un lien d'ailleurs, Gaiden, faut qu'on en parle des petits canulars, des petits sons. Là, oui, en parlant, excusez-moi, juste avant comme Tom il était dans les news, vous voulez pas mon exclu BFM TV ? Ah, moi aussi, je veux bien. Ouais. Tant qu'on y est. Ah, bien placé, Manu. Ouais, bravo, bien placé. Alors, note l'heure pour le podcast. Alors, 22h54. Sinon, vous savez toujours comment Laurent Ruquier enlève sa capote. Ouais, je sais. Bonsoir. 22h54. Ouais. Est-ce que vous avez un petit jingle je l'ai vu sur BFM ou une connerie. Ah, attention, ça peut se trouver. Je les ai pas sous le coude d'ailleurs. Ah, ils sont pas sous le coude. Je suis désolé là. Putain, merde. Nouvelle soundboard, j'ai pas le temps de tout claquer dedans. Je vais le faire tout seul. Ah, vas-y, fais-le tout seul, Manu. Alors, attention. Mais je l'ai entendu sur BFM TV. Et oui, effectivement, Manu Maui en direct de Saint-Barth. Après avoir baisé Laetitia durant 2 ans avant le décès du chanteur, on apprend que Sandra enculait aussi Mamie Rock. Ils l'ont dit sur BFM TV. Quel ? Ok. Cette interview vous est offerte par Manu Maui. Bonsoir. attendez, tant que on est dans ce qui est coupé. Oui. Que au podcast, Manu, tu dis ça parce que je suis juif. Ah bah non, ça rentre dans le j'aime pas. Le j'aime pas. Voyons, ah non, non, Manu. Manu, moi, non. Je voulais non. le faire et tout le monde m'a dit non. Non, c'est pas ça. Manu a dit, vous mettez. Manu a dit, vous mettez NAPS recherché, sinon je veux faire un j'aime pas hardcore. Voilà, la vérité, voilà, elle est là. Donc ils m'ont mis le NAPS, donc je peux pas faire le j'aime pas hardcore. On peut pas tout avoir. Voilà, on peut pas tout avoir. T'as eu le NAPS, alors commence c'est pas. C'est pas grave, à la prochaine émission. Commence pas, non. C'est pareil entre le j'aime pas hardcore. Et Marwa Loud. Non. Parce qu'il écoute des trucs encore pires que ce qu'on a mis tout à l'heure à cause de lui. Mais bien sûr. C'est un fou, c'est un malade. Bon alors attention. Bien quand même. Piqué, je suis piqué. Non, en plus c'est pas. Tu sais que ça c'est pas. En plus ça c'est pas Marwa Loud ou je sais pas qui là. C'est encore quelqu'un d'autre. Non, je te jure. Marwa Loud piqué. Manu, je te jure, c'est un mec et une meuf. Mais non, parce que c'est pas le titre piqué. Le titre, c'est je sais plus quoi, mais c'est pas. C'est Marwa Loud. Mets-le, tu verras. Bah alors, non, je ne le mettrai pas. Ah putain, j'ai failli l'avoir. Le stagiaire pourra l'écouter un jour. Il se passe des trucs dans le studio, je peux pas vous dire. Il y a un petit jeune qui fout la merde. Est-ce que t'es mieux là maintenant ? Ah ouais, j'ai entendu un. Ah ouais. Alors attention. Alors, on parlait de canular. Oui, merci stagiaire. Putain, il est bon bien, ce soir. Bon il est en grande forme, le stagiaire. Je pense qu'il mérite sa petite ovation. Le stagiaire. Merci. Le stagiaire. Alors, stagiaire. Oui. Je vous rappelle que nous, on ne vous demande pas d'aller sur notre Tipeee quand on fait des canulars. Non. Réclamez-nous de l'argent pour vous écouter. Et préciser aussi que c'est un vrai stagiaire, c'est pas, tu te contentes pas de faire semblant de parler à quelqu'un qui serait éventuellement. Je prépare les émissions. Pas à l'antenne ou un truc comme ça, parce que j'ai vu les films. Hein. Bon alors les gars. Et on ne fait pas de faux messages répondeurs. S'il vous plaît, les gars, Ah oui, on a des messages répondeurs aussi. Ouais, allô ? Ouais, Rigo, je t'écoute tout le temps, je te kiffe. Je peux pas me passer de toi, Rigo. Excusez-moi. J'ai pas pu m'en empêcher, putain. Je voulais pas le faire, les gars. Sortez-moi de là. Non, mais en plus, après, les gens vont croire qu'il y a vraiment des gens qui nous laissent des messages comme ça. Non, mais non, arrête. C'est pas chez nous. Bon, bref. Alors, on en a parlé dans la dernière émission. Message ou canular. Alors.
On en a parlé dans la dernière émission. Donc, c'est prendre des voix de GG, tout simplement. Hein, voilà, comme ça. Allô ? Et appeler des gens. Bonsoir. Donc, on en a posté deux sur Facebook. Manu, t'en avais entendu d'autres ou pas ? Non, j'ai entendu celui que tu m'as envoyé en fait. Ok, le d'accord. Premier. Donc je sais plus lequel c'était, mais bon, c'est pas grave. Je vais en mettre plusieurs. Je fais un big up aux gens sur l'IRC. Merci. Alors attention. Et si on mettait notre musique aussi. On commence doucement. Alors attention, on va changer de musique. Bah, on va la couper d'ailleurs. Oui, on va la couper. J'attends. J'attends que ça démarre. On va la couper. Ah bah non, moi j'attends. Ah bah moi j'attends que tu la coupes. Toi d'abord. Non, allez, toi d'abord. Non, mais parce que je sais pas par lequel commencer. Parce que Les sales gueules, une émission comme un vieux couple. Allez, toi d'abord, raccroche. Allez, vas-y. Allez, Rigo, raccroche. Bon, en tout cas, c'est toi qui raccroche. Ah, allez, on compte jusqu'à 3. Vous êtes grave. Vous êtes grave. Allez, GG. Bon, alors attention, on a un petit appel. Allez, c'est parti. Si ça marche. Oh là là, on se croirait sur Skype. Non, t'inquiète, c'est ici. Hôtel pour payer, t'as oublié, Corinne, bonjour. Allô ? Oui, bonjour, monsieur. Bonsoir. Allô ? Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Et je pense que vous vous êtes trompé de numéro, monsieur. Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. Je pense que vous êtes trompé de numéro parce que là, c'est l'hôtel Le Pourtail et l'hôtel Le Taoulé à la Mangie. Ouais, mais tu peux t'expliquer ? Je pense que vous êtes trompé de numéro, monsieur, parce qu'ici, c'est un hôtel. Ouais, mais tu peux donner plus de précision ? Vous voulez parler à qui ? Gérard. Allô ? Bon, alors tu réponds. Écoutez, je suis désolé, monsieur, mais je vais être obligé de raccrocher parce que j'ai du monde à la réception. Ouais, mais tu peux t'expliquer ? Mais je ne vous connais pas. Je ne sais pas, vous êtes monsieur ? Gérard. Monsieur Gérard. Ici, c'est l'hôtel Le Pourtail et l'hôtel Le Taoulé. Non. Si, vous avez dû vous tromper de numéro. Non. Je suis désolé, monsieur. Tu t'amuses à quoi, là ? Je suis obligé de vous laisser. Non. Non plus. Au revoir, monsieur. Ouais, mais je crois pas, là. Hein. Voilà, donc ça donne des petits trucs encore, comme ça. T'en veux encore un autre ? Allez, Ouais. Alors, un drôle, mais ils doivent tous être marrants. Ouais, là, il y en a un qui est pas mal. Ouais, que celui-là, il envoie sévère. Oh là là, il nous casse les oreilles. Allô ? Allô ? Allô ? Bonjour, monsieur. Bonsoir. Oui ? Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Qui ? Mais monsieur, moi, on ne tape à personne et personne n'a appelé chez nous. Ne quittez pas. Tu t'amuses à quoi, là ? Comment ? Tu t'amuses à quoi, là ? Un point, là, pourquoi ? Chez qui vous moi, appelez, là ? Moi, je veux dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. De ? Tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. Ah, excusez-moi, monsieur, mais je vous ai jamais harcelé. Ça, c'est quelqu'un d'autre qui vous farouche le téléphone. Non, non. Mais pas moi, monsieur. Non, qui a 75 ans. Non, non. Et j'ai des enfants adultes. Ne quittez pas. Louis ! Ouais, mais tu peux t'expliquer ? Expliquer pourquoi ? Je ne vous ai jamais appelé. Ouais, mais tu peux donner plus de précision ? Et pourquoi ? Fous-toi bien de ma gueule ! Je n'ai pas de précision, monsieur, à vous donner. Je n'appelle à personne. Bon, dis donc, tu parles comment, toi ? Ah non, pas ça, monsieur, moi. Eh, ça suffit ou quoi, là ? Ah, faites quelque chose ou par là, mais pas à moi. Moi, je suis un hôtel à Lourdes. Hein. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Non, je n'ai jamais appelé 15 fois ni rien à personne. Non, attends, 5 minutes, tu vas attendre. Merci, monsieur. Allez demander les renseignements ailleurs. Fous-toi bien de ma gueule. Oh là là. Non, c'est magique. Il était un peu agressif. Celui-là, il est assez rigolo. Et il y en a quelques autres. On continue ou pas, ah oui, Manu ? On continue. Manu, bah oui, on continue. Bah oui, on continue, mon pote. C'est là, t'avais entendu. Alors attention, un monsieur qui était très assez. Hôtel Lehmann, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Je crois que vous êtes trompé de numéro, monsieur. Vous êtes à un hôtel. Non. Tu t'amuses à quoi là ? Merci, monsieur. Au revoir. Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. Mais je crois qu'il y a une erreur, monsieur, vraiment. Vous êtes dans un hôtel à Menton. Non. Ah si, je vous assure. Non. Eh oui. Non, mais tu peux donner plus de précision ? Bah, vous êtes à l'hôtel Lemon à Menton, comme je me suis présenté quand vous avez décroché, monsieur. Ouais, mais je crois pas, là, hein. Bah, si vous dites non et que vous êtes convaincu, là, je peux pas vous aider de plus. Bon, alors, tu réponds. Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Oh, celui-là, il est bon. Hein. C'est terrible. Celui-là, il mérite un peu, hein, quand même, parce que le mec, il embraye. Il comprend que ça, il essaye de raccrocher, mais il reste au téléphone quand même.
C'est assez rigolo. Bon, alors attention, on continue ? Oui. Ah bah allez, hein, tant qu'il y en a. Allez. Hôtel Le Littoral, bonjour. Allô ? Allô, bonjour. Bonsoir. Oui, non, bonjour, on est encore... Il est qu'une heure, une heure de l'après-midi. Non. Pardon ? Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Pourquoi j'ai appelé 15 fois dans la journée ? Mais ouais. Vous êtes qui ? Gérard. Vous êtes qui ? Gérard. Ouais. Ouais, mais là, vous faites une erreur de numéro, hein. Non. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Vous savez à qui vous parlez ? Non, mais tu peux donner plus de précisions ? Mais vous appelez qui, là ? Gérard. Vous appelez Gérard ? Ouais. Ah bah non, il n'y a pas de Gérard ici. Non. Non, hop, bim. Non, il n'y a pas de Gérard. Alors attention, on continue, il en reste 2-3. Celui-là, je l'ai mis. Ouais, je l'ai mis. Allez. Hôtel Napoléon Francesca, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Pardon ? Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Moi, j'ai pas appelé. Peut-être... Tu t'amuses à quoi, là ? Mais vous êtes qui ? Gérard. Vous pouvez appeler après, vers 15h ? Non. Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. Quoi ? Alors, qu'est-ce que t'as à dire ? Pardon ? Ouais, mais tu peux t'expliquer ? Moi, j'ai pas compris, pardon. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Moi, j'ai pas appelé, donc si vous pouvez appeler plus tard, parce qu'il y a l'autre... Non. Nous, on est en hôtel. Non. On n'a pas appelé. Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. D'accord. Ouais, mais tu peux t'expliquer ? Non, je suis désolée, mais moi, je dois travailler. Bonne journée. Ah, la pauvre. Tu te rends compte, la pauvre, elle ne pouvait pas rester au téléphone avec Gégé. C'est dommage. Hein. Parce qu'elle devait travailler. C'est moche. Le petit y a pas de Gérard, je l'ai mis ? Je sais plus. Si, y a pas de Gérard, on l'a mis. Hôtel de Lucia, bonjour. Ah non. Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. Allô ? Oui, je vous écoute, monsieur. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Pardon ? Tu t'amuses à quoi, là ? À quoi ? Pardon, excusez-moi. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Je vous appelle pas moi, monsieur. Non. Je suis l'hôtel de l'Estuaire, intrigué, je vous appelle absolument pas. Non. Alors là, je peux vous... Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. Mais vous me faites quoi, là ? C'est n'importe quoi, là ? Non. Quel numéro vous appelle ? Non, mais tu peux donner plus de précisions ? Je suis l'hôtel de l'Estuaire à Tréguier, je ne vous ai jamais appelé, monsieur. Aucune fois. D'accord. Toi, je crois que t'es carrément à côté de la plaque. Non, je ne suis pas à côté de la plaque, je ne vous ai jamais appelé. Ouais, mais... Alors, me faites pas chier, je suis en plein service et j'ai autre chose à faire que d'entendre des bêtises comme ça. Tu Merci. Réponds comme il faut à la question, tu la fermes. Celui-là, il a fail. Elle s'est un peu énervée à la fin. Elle était en plein service, faut la comprendre. Et on s'en fait un petit dernier pour la route. Je crois que je l'ai posté, celui-là. Céline, bonjour. Allô ? Oui, bonjour. Bonsoir. Bonjour. Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Je sais pas de quoi vous me parlez, là. Tu t'amuses à quoi, là ? Mais je m'amuse à rien du tout, monsieur. Je sais pas pourquoi vous m'appelez. Je sais pas qui vous êtes. Non. Et je sais pas pourquoi vous m'appelez. Alors... Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. Mais vous êtes qui, monsieur ? Gérard. Gérard ? Ouais. Je connais pas de Gérard, alors je suis désolée. Je ne vous connais pas. Ici, vous appelez dans un hôtel, donc c'est pas... Non. Bah si, je vous dis, vous appelez... Pourquoi t'as appelé 15 fois dans la journée ? Mais je ne vous ai pas appelé, je ne vous connais pas, monsieur. Ouais, mais tu peux t'expliquer ? Moi, je sais pas... Je ne vous connais pas, monsieur. Bon, ben voilà, je sais pas qui vous êtes. Non. Ici, vous êtes dans un hôtel, donc voilà, c'est tout. Non. Fais gaffe à ce que tu vas dire, parce que toi, t'es sur la sellette. Bah, c'est bien. Moi, je vais te dire que tu vas arrêter tout de suite de m'harceler. Mais j'harcèle personne, j'ai autre chose à faire. Non, aujourd'hui, je suis dans mon travail. Non plus. Bon, bah écoutez, alors je suis désolée, au revoir et bonne journée. Y a pas de quoi. Il n'y a pas de quoi. Le petit, il n'y a pas de quoi pour finir. Voilà, c'est pas mal, pas mal. Hein. Magnifique. Je fais un énorme big up à Petit Tonnerre qui nous a découpé les sons. C'était sur une idée de Gabriel. Voilà, vous savez tout. On peut remettre la petite musique, tout ça. Tu peux même mettre un jingle si tu veux. Ah, mais je vais faire mieux que ça. On va mettre un peu de musique. Ah ouais. La mienne. Ouais. Non, la mienne. Bonsoir. Vous écoutez Les Sales Gueules et tout de suite les Smashing Pumpkins avec Pennies. Et après, il y aura la mienne. Peut-être, oui, sûrement. Allez, à tout de suite. À tout de suite. C'est tellement sympa. Ha 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 ha!
on se rattrape quand on fait de la merde. Oh là là, c'est bien. Ah ça, je le laisse au podcast. Ouais, ouais, ça, tu peux le laisser sur le podcast, ça. Hop, là, on retrouve voilà, Manu ça tout de suite avec nous. Bonsoir, Manu. Oh, je me disais, les pauses 10 sont très longues, quand même. Bah ouais, 25 minutes maintenant. Le génie nous écoute, merde. 25 minutes. On met un petit jingle, quand même, t'en as ou pas? Oui, bah oui, bah bien sûr, en plus. Oh, j'avais ça, c'est juste que j'ai mal géré. J'étais sur 36 choses en même temps. Il a écouté la musique à un moment. Il voilà, était bien, j'étais, il était dedans, Sexy Sushi. C'était sympa, d'ailleurs. C'était ton morceau, le dernier. Ouais, c'était mon morceau. Et c'était chouette. Mais par contre, je me dis que oui, on va faire jingle, c'est ça? Mais oui. Allez, jingle. Mais ils veulent pas partir, hein, les jingles. Ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Ils l'ont dit sur BFM TV. Je ne sais pas ce qui se passe, ça me dépasse. C'était une erreur. Voilà, bonsoir. On s'en fout, mais pas de jingle, on y va. Bonjour, c'est Arnold, j'écoute les sales gueules, vous devriez faire comme moi. Salut, c'est Mégane, le jeudi soir, j'écoute les sales gueules. Salut, c'est Fildar, tous les jeudis soirs, moi je suis sur la bande passante et j'écoute les sales gueules. Tous les jeudis. Salut les sales gueules, c'est Anka et je vous écoute un peu des fois. Salut, c'est Max. Il y a les sales gueules chaque jeudi. C'est quoi ça? Ah, ça c'est. Je sais pas ce que c'est les. Peut-être les. Je sais pas. J'ai pas compris ton message. Rappelez-vous que je m'appelle Amnésia, Amnésie comme un amour d'enfance. Non, je n'ai rien à regretter, je pense. Ça vous fait rire, mais je n'ai pas de souvenirs. C'est les sales gueules! En direct de la Max Radio, j'écoute les sales gueules. Ouais, on les embrasse très fort. Merci. J'étais fauché, ouais, vous étiez même pas au courant. Merci, bonsoir, vous écoutez les sales gueules. Cette émission est commencée depuis une heure, mais bon, elle fera moins au podcast forcément, avec tout ce que je vais devoir enlever. Nous sommes toujours avec le stagiaire. Bonsoir, stagiaire. Oui, bonsoir. Oui, authentique, oui, bonsoir. Moi, j'ai quelque chose à dire pour me dédouaner quand même, parce que j'ai quand même fait de la merde là il y a deux minutes, ouais. Qui ne sera pas coupé au podcast apparemment. Donc voilà. Donc quand même. Bah, sachez, si, à cause de YouTube. Sachez qu'on est en train de développer, même si ça ne se voit pas trop, parce qu'on est à deux à l'heure, mais on développe toujours les sales gueules. Hein, ça avance, ça bouge, tout ça. Bah, ça se voit. Et donc, on a installé un deuxième ordinateur par-dessus tout le bordel et que voilà. On est en train de rôder, donc c'est pour ça qu'il y a encore c'est pour ça que j'ai pas de ça cafouille un peu. Et par contre, vous remarquerez une chose, c'est qu'on a toujours pas récupéré le pognon de la cagnotte. Ouais. Vous voyez, on attend même pas après votre pognon pour faire avancer les choses, hein, donc sachez-le. Ah, hein, c'est voyez, vrai. C'est pour ça qu'on tapine pas, hein, parce que voilà. Donc on pourra faire encore plus de trucs. On pourra faire encore plus de trucs. Et d'ailleurs, si je peux me permettre un petit coup de promo, il y a plein de choses qui arrivent dans le hall gaming ESG aussi. Ouais, mercredi soir, ça m'a pensé à changer de jour. En plus de l'émission du mercredi soir sur la chaîne. Sur la chaîne ASG Family et All Game ASG, on va faire des vidéos de jeux, les commenter. Oh là là, les gars. On fait un vrai truc. Ok, les gars sont chauds. On est toujours avec Gaiden. On est dans le game et dans le video game. Le mercredi soir à 21h. Il est dans la place. On est toujours avec 115ans.net. Oui, 115ans.net le mercredi 21h30. Oui, et big up à Jukebox pour 115ans.net. Voilà, merci. Et big up, à Cortez et Yankee, bien sûr. Et l'équipe d'Olpanam le lundi. À tous ceux ça. Qui bossent sur tout ça au final. Hein. On est, on est un petit nombre maintenant. Une bonne team, ça fait plaisir. Ah bah, c'est multinational maintenant, les gars. Et bientôt, c'est le séminaire chez Manu. Exact, oui. Et tu crois pas si bien dire. Bientôt, c'est le séminaire chez Manu. Bientôt. Le séminaire de travail, je précise. C'est jeûne, travail et eau du pluie. Tu vois. Moi, j'ai posé des jours. Vous savez qu'on ne rentre que sur invitation. Et l'invitation, vous savez tout ce que c'est, bien sûr. Hein. Ouais, mais on n'en parlera pas là. Les ponts, tout ça. Voilà. Allez, 23h18 au podcast. Vous pouvez nous appeler 01 77 62 40 22. Voilà. On est tranquille. On est toujours avec Tom de New York. Ah, on est toujours avec Tom. Ouais. Bonsoir. Non, nous étions bonsoir. Avec Tom. Ah, si, nous étions toujours avec Tom. Parce que Tom il coupe son micro. Je suis là, non. Alors, Tom, tout à l'heure, tu nous avais parlé des. Tu nous avais parlé des actus tout à l'heure que tu avais pu voir sur 20 minutes, c'est ça? Ouais. Ouais. Et on n'a pas entendu en fait la toute première, c'était quoi? Donc en gros, celle avec celle de la môme là de 8 ans qui est mort. Avant l'université. Mais si, c'est ça qu'il a dit en premier. Non, l'université, je crois. L'université, ah ouais. T'as parlé de l'université parce que je vois ça dans le conducteur, donc je me dis. Ah non, j'ai pas parlé d'université. Non. Ah ok. Non, j'ai peut-être pensé. Ah, les fachos qui sont rentrés taper des gars qui étaient en AG. Ah, on en a parlé de ça ou pas? On en a parlé de ça, mais pas cette émission. Ah oui, mais parce qu'il y a eu du nouveau là.
Hein ? Bah ouais, vous avez pas vu, il y a une vidéo postée par des mecs qui demandent la démission de Macron. Ah, mais des mecs qui demandent la démission de Macron. Mais les gars. Ah non, mais attends, mais non, sinon on va croire mais que. Mais non. Il peut pas démissionner le temps qu'il descende du haut de la pyramide, ça va lui prendre 5 filles. C'est ça, les gars. C'est impossible. Non, mais lui, mets pas des idées comme ça dans la tête des gens, stagiaire. Arrête. Mais n'oubliez pas que le gars, faire. C'est l'œil, hein, quand même. Hein. C'est l'œil en haut de la pyramide. Hein. N'oubliez pas. Illuminatus. En franc-maçonnerie. Voilà. N'oubliez pas. Mais oui, bien sûr. Mais pendant ce temps-là, on est avec Tom. T'as peut-être vu des trucs plus cool, Tom, quand même, dans 20 minutes. Apparemment, il y a je sais pas combien de trous noirs au centre de notre galaxie. Donc, ouais, bah ça c'est cool. Ça, je trouve ça cool. Bon, on s'en fout. Non, je sais pas si je suis déprimé ou quoi, mais je trouve que l'actualité, c'est de plus en plus déprimante, en fait. Non, arrête, il y a Jean-Vincent placé en garde à vue, les gars. Ça, c'est le truc le plus drôle de la semaine. C'est le truc le plus drôle de la semaine, quand même, les gars. Est-ce que vous avez vu sur BFM la photo? Non. Ah, ils l'ont montré tout à l'heure. La photo de quoi? De Jean-Vincent placé en train d'être interpellé. Ah ouais, ils ont posté le truc? Ah putain, bah ouais, faut bien que ça sorte à un moment. Il doit avoir une bonne tête avec ses 2 grammes passés. Est-ce qu'il avait le truc, c'est qu'il avait. Ah non, il a une tête normale étant donné qu'il est tout le temps à 2 grammes. Mais il avait que 1,1. C'est... Effectivement. Non, mais c'est genre le mec a bu 4 bières et il est bourré comme ça à ce point-là. Après stagiaire, le 1,1 pour être aussi précis, ça veut dire que c'est fait après prise de sang. La prise de sang, elle arrive. C'est surtout pour un mec comme ça. Le gars, il doit se débattre, il doit passer 30 000 coups de fil. La prise de sang, elle arrive sûrement 2 ou 3 heures après. Ouais, mais ils tiennent pas l'alcool. Après l'effet, tu vois donc. Bon, ça se sera coupé du podcast, hein, ça pue. Hein. Bon, t'es gentil, hein. Stagiaire. Mais non, mais c'est vrai. Tu passes à la compta, tu sors. Là. C'est peut-être qu'il est une erreur. Plus, peut-être que c'était, il est plus habitué à digérer l'alcool de riz. Que... Oh là là. Oh bon, là là là. Bon, messieurs, je voulais la faire, j'ai pas osé, on m'a engueulé, putain. Vous entrez en dissidence. On n'est pas. Arrêtez, s'il vous plaît. On n'est pas là pour élever le débat de cette manière. Merci. Mais oui, allons les gars. Non mais c'est pas ça, c'est pas ça, c'est que le riz. Non mais c'est pas ça, vous comprenez pas, c'est que le riz ça éponge. Quoi ? Le riz, quand tu manges beaucoup de riz, ça éponge l'alcool. Non. Bon, moi je dis au revoir à un des invités qui est pressé parce qu'il bosse trop. Donc je dis au revoir à notre invité. Excusez-moi, allez-y, comblez. Hein. Alors, comment ça où? Bah, dans n'importe quel traiteur chinois, Henri Cantonnet. Alors, sérieuse, vous pensez que dans ce genre d'histoire, l'alcool c'est une circonstance aggravante ou... Oui, ça va être jugé que... atténuante. Alors non, alors après, pour avoir eu des news, parce que j'ai regardé, je suis allé chercher un peu, ce qui a été retenu comme fait, c'est pas le harcèlement de rue. L'alcoolémie. Ah. C'est pas l'alcoolémie, c'est pas le harcèlement sur la meuf, c'est les insultes racistes auprès du vigile. Ouais. C'est pour ça qu'il va être inculpé en fait. Bon, voilà. Donc, vous me demandez si vous voulez, je reçois ma carte de journaliste. Dire, vu qu'il est pas incriminé pour l'alcool, il peut dire ouais, j'étais bourré, désolé, je savais pas ce que je disais, j'étais en mode hashtag no filter et puis voilà. Bonsoir. Je crois que ça passe pas du moment que c'est tu vois insulte raciste machin. Attendez. Ou un caractère dégradant, je sais pas quoi. Attendez les gars, les choses s'organisent, le dossier se constitue, il y a 2 personnes au téléphone. Oui, allô. Attends. Tom, ferme ta gueule. S'il te plaît. Oui, allô. Ouais, c'est pour dire, je pars de la cure mardi, je donne ma place à Jean-Vincent Placé. Et voilà, c'est parti. Merci, bonsoir. Oui, allô. Attendez, on vous a dit, il y a des dossiers qui se constituent ici, il faut bien laisser les choses s'organiser quand même. Comment ? C'est qui au téléphone ? C'est Jean-Vincent, bonsoir Jean-Vincent. Et la situation est ubuesque, hein. Je vais récupérer le chat dans le couloir, je reviens. Franchement, c'est fantastique. Qu'est-ce qu'il dit lui ? Raccroche-le. Voilà, raccroche-le. Franchement. Merci stagiaire. Ouais, le truc rouge là, vas-y. Voilà. Je raccroche tout le monde. Et t'as raccroché Manu ? Non, je suis là. Ah ok, on est toujours avec Tom ? Ouais. Ah ok, c'est cool les gars. Bon, on est revenu à la cool. En plus, il y a l'invité mystère qui va pouvoir prendre la place. S'il a envie de prendre le casque. Ah d'ailleurs, putain, j'ai une question pour l'invité mystère. Il y a une question de Manu pour toi. Donc faut que tu t'asseyes, mon pote. T'as pas le choix.
Ah, t'attends deux secondes. D'accord, il attend. C'est tout se fait. Tout le dossier se constitue. Le chat est revenu. Voilà. Je vous l'avais dit. Je voulais savoir s'il connaissait un artiste. Qu'est-ce qu'il fait? Ah merde. Allô. Putain, le stagiaire. J'ai touché la technique. Mais qu'est-ce que t'as fait? Bravo. Débrouille-toi maintenant, stagiaire. Allez, appelle Manu. Allez, stagiaire. Attends, c'est lequel? Ah, c'est lequel? Oui. Oh là là, il sait rien faire, le mec. Alors attends, qu'est-ce qu'il fait? Il prend un appel. Allô? Oh les gars. Ah, je ne sais pas utiliser ce... Non. Mais le stagiaire ne sait rien utiliser, il faut le savoir. C'est vérifiable, c'est sur internet. Je le sais, j'ai deux chats. Allô? Ah, tu vois, allô? Allô? Qui me raccroche à la gueule? C'est le stagiaire. Non, mais j'ai voulu raccrocher une personne et... C'était une erreur. Bah oui, quand même, stagiaire. Je le regrette profondément. Et je présente mes excuses aux Français. Voilà, en plus on a une... Tu sais à quel étage est la compta, stagiaire? Oh bah tiens, oh putain, raccroche. Rouge direct. S'il te plaît, stagiaire. Lui, tu peux. Blacklisté. Lui, tu mets rouge. Voilà, merci, bonsoir. Nous sommes donc avec Tom de New York et on a quelqu'un d'autre, je crois, sur Skype. Allô? Allô? Ouais. Ouais, je m'entends bien. Ouais, je t'entends un peu, mais t'es où? Oh, radio réalité. Non, mais raccroche-le. Alors non, le stagiaire ne peut pas là. Mais t'es dans le même parc que Jean-Vincent Placé. Mais t'es où? Allez, merci. Bah, j'ai raccroché, allez. Merci, bravo stagiaire. Celle-là, elle était bien. Ah, ouais, j'ai vu qu'il faut faire clic droit en fait. Fait que c'est à raccrocher. Ça, c'est pas mal. Ah, vous écoutez les sales gueules, 22h26. On a donc un invité mystère. Ton micro, il est allumé? Bonsoir. Ah, il est là. Est-ce qu'on m'entend bien? Ouais, on t'entend bien, mon pote. On t'entend impeccable, invité mystère. Bonsoir. T'entends mieux l'émission qu'en galère sur le. Ah, moi, j'étais bien, j'avais du baseball. Ouais. Je regardais un peu tout ça d'extérieur. C'est vrai que c'est cool aussi. Ok, c'est cool. Bon, bienvenue. T'as choisi de la musique, toi, pour plus tard, on m'a dit. Ouais, pour après. Pour après les sales gueules? Ouais, carrément. Après les sales gueules, il va y avoir de la musique? Il y aura de la musique et une antenne libre. Oh, une antenne ouverte. Oh, une antenne ouverte. Bah ouais, IDFM ils le font pas, on va le faire. Voilà, ah ouais. Restez avec nous à minuit. Zéro. Rêves éveillés. Les cauchemars endormis. 01 77 62 40 22, ce sera le numéro pour les appeler. C'est le même pour nous appeler là ce soir d'ailleurs, si vous le voulez. Vous connaissez ou vous essayez sur Skype si on arrive à vous décrocher ou si on a envie ou pas. Qu'est-ce que j'ai sur ma la fortune? Donc moi, du stagiaire. Moi, j'avais une question pour l'invité mystère. Oui, invité mystère. Donc toi-même, tu es artiste et je suis allé à une expo. Et je voulais faire un big up à un gars et je me demandais si tu le connaissais en fait. C'est un mec qui fait du pastel et qui s'appelle Sébastien Momo. Son nom d'artiste, c'est Mom, M-O-M. Est-ce que tu connais? Alors, Google. C'est un mec qui n'a pas de cheveux. C'est un mec qui a pas de cheveux, là. Ouais, non, je le connais pas. Je connais pas sa tête, moi. J'ai juste vu son expo. Et il fait des trucs mortels. Ah ouais? Ah d'accord. Ah ouais. Je sais pas si c'est celui qu'on voit là. Il fait un mec avec un cigare, une barbe. Ouais, c'est ça. Il y a d'autres toiles, il y a des rastas, il y a des. Ouais, mais en fait, des boîtes. Tu dis c'est mortel par rapport à la technique de la pastel ou... Ouais, bah par rapport. Non, moi j'ai kiffé le. Okay. Oui, bah par rapport à la technique, par rapport à ce qu'il fait. Oui. Ah, celui-là, il est mortel. Ouais. Il y en a un avec un loup là. Ah non, c'est une photo. Merci. Oh, c'était fait exprès, bien sûr. Bon, bah ok, Manu. Ok, d'accord. Ok, et pas. Il exposait où? Voilà, je voulais faire un big up, franchement. Ouais, ok, bah big up à lui. Ok. Franchement, merci. J'ai kiffé l'œuvre. Ok, attends, excuse-nous, on règle un peu parce que là il y en a un qui a un son de porc. Et non, on mais a de toute façon, dès qu'on parle d'art avec vous, bah oui, direct. On sait très bien où est-ce que ça va. Hein. Bon, alors on a quelqu'un au téléphone, allô? Allô? Ouais. Ouais, salut, c'est Bélic. Salut Bélic. Ah, alors stagiaire, salut, pourquoi Bélic. Tu rigoles? Oh, parce que je... Ah, tu tombes bien, on va parler un peu de techno. Oh, on va parler cinéma. Alors cinéma, techno, mais qu'est-ce qui se passe Bélix? Il y a des gens qui sont au courant d'Indos là, on dirait. Bah ouais, mais je sais pas voir qui. Moi ouais. Non plus, je sais pas. Ah, franchement, les canulars de GG, c'est terrible. Hein, ah merci. C'est magique, hein, ouais. C'est vrai. Ouais. On en remettra peut-être oui, à la fin. Oui, c'est très bien, mais n'essaye pas de détourner le sujet, Bélix, s'il te plaît. Attends deux secondes, t'as des bruitages de GG là, surtout ou pas? Dans ma poche.
Faut que je les sorte. Ça dépend. Est-ce que t'as des bruitages de ton prof de techno? Non. Oh putain, hey, GG. Non. GG. Non. Si. De quoi? Bah, hey, GG, ça va ou quoi? Ouais. C'est comment avec Sandy? Non, on va pas jouer à ça. Non, c'est... Parce qu'après, ça fait genre guillotin. Alors. C'est abusé. On peut pas. Et on a attends, parce qu'on a un sujet, on a un vrai sujet avec Bélic dont il faut qu'on parle. Parce que là, t'essayes de détourner le sujet et tout, machin. Non, mais t'as réalisé mon rêve, je voulais parler à GG, c'est bon. Non, mais ça. Bon, bah, bonne nuit, allez, ciao. Ah, merci. J'aimerais accrocher. Voilà. Ok, on a quelqu'un d'autre d'ailleurs au téléphone, allô? Allô? Oh, mais non, faut pas faire des trucs comme ça. Précise ton nom. Bon, bah, Bélic, rappelle. Parce que Bélic, il avait un truc dont on voulait parler quand même. Quoi? Elle me fait pas des trucs comme ça. Allez, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Allô, c'est Johan. Quoi? Je m'appelle Johan. Johan? Oui. Coupe. Oh là non, là, bah, là. Je... Attends. On va faire un peu de social. Tu nous appelles pourquoi, Johan? C'est parce que j'ai pas assez de radio. Tu passes à la radio. Oui, d'ailleurs, t'as gagné la machine à café et les capsules qui vont avec. Allez, bonne nuit. Qui vont avec. Voilà, donc nous... Merci. Bah, d'ailleurs, nous avons perdu Anis. Chup. Allô? Bonne soirée, mec. bonne soirée. Il va rappeler, t'inquiète pas. Bye. On est à la cool, c'est les sales gueules. De toute façon, en plus, moi, j'ai un sujet pour le stagiaire et pour l'invité mystère. Et je vois une histoire de roulette. Parce qu'on a parlé... Parce que la roulette... Attendez, les gars, pendant la dernière émission, on a dit que... Il y a peut-être une petite partie de la cagnotte qui allait partir en mode casino machin pour essayer de se payer un vrai truc. Non, j'ai dit non, gardons les pieds sur terre. Qu'avec 100 euros, je ramenais 8000 euros. Oui, bien sûr, ouais. Mais arrête avec ta roulette. Non, mais attendez, parce que moi, je sais qu'il y a un débat entre l'invité mystère et le stagiaire. Vous n'êtes pas d'accord sur la technique, en fait? Non. Bah, moi, je trouve ça plus authentique d'aller dans la vraie roulette en bois, tu vois, avec la bille qui roule. Ouais, pour perdre des sous, ouais, c'est pas mal. Ah, voilà. Ouais, bonne soirée. Coupe, le double. Coupe. Eh, les gars, moi, je propose un truc, c'est qu'on décroche plus personne. Ah non, mais là, il y en a un. Là, c'est même pas de ma faute si t'es pas banni, mon pote. Là, t'arrives, il y a un double son, je suis désolé. Bon, bref. Invité mystère, tu dis quoi au stagiaire? Ouais, explique-nous ta technique, bah, stagiaire. Alors. Moi, je fais rouge, noir. Et voilà. Attends. Mais t'as vu ça où? Sur YouTube? Non, j'ai lu ça dans un bouquin. Ah, c'est écrit dans un livre. Ouais. J'ai l'impression de réécouter le podcast. Stagiaire? Ouais. Tu sais que la technique de Jean-Vincent s'en placer, c'est de faire tout le temps jaune. Bon, allez, virez-moi ça. Bon, et donc, en gros, je vais transformer avec un peu de chance et de stratégie 100 euros en 8000. Non, mais il a raison, l'invité mystère, c'est ce que tu disais la dernière fois. Et on a dit non. Hey, c'est ça, c'est faux ce que tu dis, c'est de la carotte. Moi, j'ai une idée. Il fait ça avec sa propre thune. S'il gagne, bon, on prend la thune. S'il perd, c'est sa thune qu'on s'en fout. Ah ouais, c'est pas mal ça, stagiaire. Bah non, mais si je gagne, c'est ma thune. Non, si tu gagnes, c'est la note du coup. Mais on joue avec la roulette. Mais on te remboursera ta mise, hein, t'inquiète pas. Hein. Sur le gain. Hein. Ah, le stagiaire. Mais fais-le avec ton pognon. Ah, tu vois, donc il y a un risque, donc on oublie. Non. Moi, je vous dis, le vrai truc, c'est Manu au poker. Moi, je crois en Manu au poker. Je suis désolé d'en reparler. Mais oui, mais moi aussi, je crois en moi, les gars. Moi, je vous aime bien, mais non. Je suis mitigé, moi. Manu au poker, moi, j'y crois. Donc pas encore qu'à dire un rapido, un rapido avec une bière au comptoir, non? Ah bah de toute façon, le rapido rembourse les bières, c'est bien connu. Ah bah oui. C'est pour ça qu'ils y sont et qu'ils y restent. Faut pas chercher plus loin. Bonsoir, vous écoutez les sales gueules. 01 77 62 42, on a quelqu'un au téléphone, allô? Allô? Ouais, c'est Rebellic. Ah, Rebellic. Ah bah ça tombe bien parce que t'avais vraiment un sujet dont tu voulais parler avec nous. Ouais. Alors, le sujet c'était bien sûr Gérard. Non, je voulais vous faire un petit cours de techno. Un petit cours de techno, ah ouais, pas mal. Parce que toi, t'as en fait, c'est quoi, t'aimes bien les cours de techno, tout ça? Technomax. Mais non. Je sais pas si c'était pour mon kiff, mais là, vu le prof que tu avais, il y a un dos là. C'est-à-dire? Il avait quoi ton prof de techno? Alors.
L'année dernière, j'avais un prof de techno. De base, c'est pas un vrai prof, parce que c'était ça. On était sa première classe. C'était un petit jeune, tu vois. Et genre, il y a 2-3 semaines, il y a mon pote qui kiffe le 7ème art, qui traînait sur Internet, et il est tombé sur mon prof. Dans un film, tu vois. Ah, dans un film, vous avez vu ton prof de techno. Ça t'est déjà arrivé, Manu ? Franchement, non. D'accord. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ? Non. Non. Chut, stagiaire. Non, non. Moi, je me suis retrouvé un moment à bosser avec un type qui avait fait un espèce de feuilleton sur TF1 quand il était plus jeune. Oui, ah ouais, un truc que j'avais dû endurer parce que je crois que ma soeur regardait ça. Et oh merde. Et du coup, j'avais vu c'était de la merde. Hein. Et okay. J'ai bossé avec le personnage qui passait pas les portes. Hein, là. Ouais. Il avait un melon de ouf. Ah, grave. Est-ce que ton prof de techno, il avait un peu le melon de faire du cinéma? Non, pas du tout. Le mec, il était discret. Hein. Genre, il parlait discret pas beaucoup. Ah ouais. Est-ce qu'il avait pas les boules plutôt? Alors, oh là, attends, tu vas pas. Bellic, tu vas pas me dire que c'était dans des films. Olé, olé. On va dire des films d'éducation sexuelle. Ah, sur quel site? Est-ce qu'il faisait ça dans des égouts en Allemagne avec des gens au placé, non? Sans parler de Jean-Vincent. Est-ce qu'ils disent merci ou est-ce qu'ils sont avec Pascal? Je sais pas. Oh, le mec connaît les noms. Pierre W, peut-être. Non, je sais pas. Arrêtez, arrêtez, parce qu'après, après, il va y avoir des conférences de presse avec des mecs qui disent. On veut me faire taire, c'est clair. Donc s'il vous plaît, on voudrait pas accuser des gens. C'est Marc-Olivier Fogiel. Voilà, merci, bonsoir. Non, arrêtez, s'il vous plaît. Non, sérieux, Bellic, ton ancien prof de techno. Ton prof de techno, c'est Marc-Olivier Fogiel qui a joué dans des films de boules. Avec son amant de l'hormone. Je vais vous dire, j'ai jamais vu ça. Jamais. Ah, tu rigoles, tu t'es branlé devant. Attends, t'as mon pote qui m'envoie sur Snap un screen de mon prof, un screen que j'ai envoyé à Rigo. Et il me dit, ouais, je couperai au podcast. Rigo m'a demandé par la suite d'autres screens du film. C'est faux. Ça, par contre, je vous montrerai le screen, c'est faux. Non, mais voilà, en plus, il m'envoie le pseudo du prof. Son pseudo. Bon, j'ai le droit de le dire ou pas? Le pseudo du mec? Non. Si, balance. Bon, on s'en bat les couilles. Ouais, on s'en bat les couilles, balance. Alors, il est prof de techno où? Non, ça, on dit pas. S'il vous plaît. Oh, non, voilà, ça va falloir couper. Vous donner du taf. Voilà, ça va toujours trop loin. Voilà, c'est moche. Bon, et c'est quoi son alors son nom? Ouais, c'est quoi son QRZ dans le milieu? Merci. Et vous demandez le prof El Toro Machine. Toro Machine. Oh, ne faites pas, mon Dieu. Ne faites pas ça chez vous. Pourquoi il fait des trucs avec des cornes? Non, tu ne veux pas savoir. Franchement, je sais plus si il est encore prof aujourd'hui, parce que de base c'était pas un prof, c'était juste un mec qui remplaçait notre prof. Ok, et il s'avère que et c'est. Est-ce que c'est fun? C'est crade? C'est quoi? C'est. Ah, authentique et curieux. Ah bah oui, du coup, la situation est quand même assez rigolote. J'ai pas vu le film, moi. Ah, t'as pas vu le film? Oh, le mytho. Ouais, non, nous fais pas croire que t'as pas Google ou t'as pas cherché. J'essaie de le trouver, mais. Ah, le stagiaire. Non, mais vous avez pas compris, les gars, c'est que le mec était proche, il trouvait pas de taf, il est allé à Pôle emploi, il a pas le droit de refuser 3 emplois, donc ils lui ont proposé un film de boule, il y est allé. Yes. Oh non, me dis pas que ça va arriver à d'autres. Yes. Ah bah ça peut, hein. Non. Yes. Ah non, s'il vous plaît, on arrête. Ah bah. Ça, faut remercier Macron. Hein. Savez, les yeux bandés, tout ça, dans le noir. Ah, là, je sais que tu l'as pas. Non, je l'ai pas, j'ai oublié. Ouais, ce soir. Bref, vous écoutez les sales gueules. Bon, bah, Bellic, incroyable cette histoire, putain. Ouais. Ah, franchement, j'avoue, ça me ferait bizarre, moi, aujourd'hui, de voir des profs que j'avais il y a 20 ans, 30 ans. Bah, vous vous souvenez de cette histoire de ce mec qui bossait non, à l'Elysée non, et non, qui faisait non, des trucs non. dans les égouts de Berlin avec des gens déguisés en Asie, avec du caca, tout ça, non? Oh, oui, sale. Et puis il y avait celui aussi qui faisait des massages des pieds, là, non? C'est pas le même? Non, c'est pas le même. Lui, ça se termine au tribunal, mais pour l'autre, il a rien, tranquille. Il y avait celui qui organisait. Il a juste perdu son taf, c'est tout, quoi. Il y avait aussi celui qui organisait des orgies au château de Chambord. Pour son anniversaire. Oh le bâtard. Oh du dos ce soir, putain. Enfin, bon alors attends, on a quelqu'un d'autre au téléphone. Il a peut-être un dos aussi, allô. Oh putain, on va avoir des problèmes les gars. Mais les intervenants venaient avec leurs parents. Allô, allô. Et bonsoir, c'est Pierre Dominique. Bonsoir Pierre Dominique.
Vous pouvez m'appeler par mon surnom. On va t'appeler PD. On va t'appeler Pierre-Dominique. Vas-y, Pierrot. Oui, appelez-moi PD. Mais... Excuse-moi, Pierre-Dominique, est-ce que t'es gros? Ah, parce que tant qu'on y est, on y va. Hein. Ouais, parce que tant qu'on y est, moi j'aimerais bien t'appeler gros PD. Je trouve ça un petit peu agressif quand même, Emmanuel. Moi aussi, je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. C'est vrai. Je suis désolé. Si vous voulez, je le tiens tellement bien, je peux le refaire exactement avec le même ton. Parce que moi, j'aimerais bien t'appeler gros PD. Alors, attends Manu, on refait du début alors. Non, les gars. Pierre Dominique. Quoi? Vous pouvez m'appeler par mes initiales, les gars. Oui, donc on va t'appeler PD et la suite. Oui, mais excuse-moi, Pierre Dominique, est-ce que t'es gros? C'est pas mal, gros. On va pas parler parce phobie. Parce que moi, je t'aurais bien appelé gros PD. Ah, cette situation de claustrophobe, putain, c'est horrible. Je veux ouvrir la fenêtre. Dans une boîte. Arrêtez, je veux ouvrir la fenêtre. Oh, on est dans le cube. Vous me rendez fou. On va faire une troisième fois. On va pas parler des phobies. Non merci. Ça ira, merci, vous écoutez les salles. C'est très étrange quand même. Bonsoir. En plus, on a un invité mystère, les gars. Grave, on appelle RMC. Ah ouais, faut qu'on appelle RMC. Bah, j'ai pas eu mes capsules qui vont avec. Alors, t'as toujours pas eu ta machine à café. Non, toujours pas. Alors, c'est sur le conducteur. Allez, alors je donne le numéro à Authentique. Je rigolais un peu. Alors, attention, je peux le donner à l'antenne ou pas? Non, évite quand même. Non, ouais. D'accord. Alors, je te le mets. Ah ouais, après, ils vont dans ton cul. Nico, voyons. Quelle question. C'est le numéro de Jean-Jacques direct. Mais c'est dans le conducteur. Mais... Putain, c'est dans le conducteur. Par contre, on appelle à l'accueil ou on appelle directement je sais le pas. PDG? Je sais pas, on appelle un numéro gratuit. Je veux d'abord le standard de base, tu vois. Ah bah c'est le numéro gratuit que j'ai trouvé, c'est celui qui remplace le numéro payant. C'est pas le 06 du monsieur qu'on connaît. Bah non, attends, on va pas le faire chier. Donc on va passer dans l'afterfoot. Hein. Alors qui parle? Attendez, qui parle? Faut que ça soit le gagnant de la machine à café. C'est moi, donc ligne directe. Donc voilà, qui que tu es, faut que tu lui expliques que c'est dramatique, on est en galère. Parce qu'en plus, il y avait les capsules qui allaient avec. Ah oui, faut que tu précises que c'est les capsules qui allaient avec. On n'a pas de café, on arrive en retard du coup. Bah ouais, c'est pour ça qu'on est en retard. Tu as gagné à 6h59. Bon, je pense que tout le monde se rappelle de ce petit son. Oui, merci. Il est pas dans la machine. Quoi? Il est pas dans la machine, envoyez la directe. Arrête. Merci Christophe. Merci Christophe. Voilà, merci. Il n'y a pas le. L'extrait entier? Ouais. Alors attends, l'extrait entier, faut que je le retrouve. Attendez, les mecs. J'ai gagné la machine à café, mais j'ai trollé aussi un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Attends, faut que je le retrouve. Putain. Ah. J'ai essayé d'élever le débat vite. Ah. Christophe. Oui, bonjour Jean-Jacques. Vous êtes à Paris dans le 17e, mon cher Christophe. Exactement, oui. C'est rare d'avoir un Parisien qui nous appelle et qui gagne la machine à café. En plus, merci beaucoup Jean-Jacques. Merci toute l'équipe, c'est super gentil. Merci Jean-Jacques. Vous regardez la télé, vous écoutez la radio, qu'est-ce que vous faites le matin? Je regarde la télé, mais sinon j'écoute depuis très longtemps. D'ailleurs, je dis bonjour à mon papa qui nous écoute. Hein. Bonjour Guéridon d'Anguin. C'est grâce à lui que vous avez découvert RMC. Hein? C'est grâce à lui, oui. Oui. Quand j'étais plus jeune, quand j'habitais chez mes parents, voilà, justement, on écoutait le matin, c'était sympa. Bon. Merci Christophe. Bonne journée, merci, bravo. Merci, vous avez gagné la machine à café, les capsules. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Au revoir Christophe. Au revoir, bonne journée. 6h, bonne journée, 6h59. Oui, déjà, je suis sympa. Formidable. Déjà, tu peux dire qu'il a pas dit les capsules qui vont avec. Bon, alors maintenant, du coup, on va les appeler parce que j'ai toujours pas reçu ma machine à café. Ah bah ouais, quand même. Ça fait chier. Il y a pas la date sur le son? Alors, un mois à peu près. Hein. Ça c'est une putain de bonne question. Il y a au moins 3-4 semaines, ouais. 23 mars. Bon, alors attends, ça veut dire que ça avait au moins 2 semaines hein, quand je l'ai pris. Hein. Bon, ça sonne. Ouais, 3 semaines, ça fait à peu près. Mais qui est la personne qui parle, qui se croit chez lui, là? Mais on n'entend pas, nous. Non, il n'y a pas de sonnerie. Mais moi, je vois que ça clignote, comme donc ça appelle, mais... Non, je crois qu'on va bider, là. On va bider. Bienvenue sur la boîte vocale du 0158. Oh là 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 là, vous n'allez pas y croire, quand même. Bon alors, faut qu'on trouve le vrai numéro d'RMC là maintenant tout de suite. Bon, 3216. Mais non, on va pas faire un numéro payant, t'es malade. Oui, quoi? 0609. Non, Manu, fais pas ça. Tiens, mais pendant que tu cherches ça avec Bellic, on parlait de. Il est plus là, Bellic. De cinéma. Si, il est toujours là, Bellic. Si, il est toujours là. Bellic. Oh putain.
Oh, tu... je suis là, vous voulez mais bravo. Est-ce que t'as suivi l'actualité Nikita Bellucci? Ah, et voilà, voilà, fallait que ça tombe. Et c'est quoi l'actualité, Monique? Bah, elle a quitté Twitter. Quel drame. Suite à un harcèlement... Vegan? Ouais, vegan, ah. Suite à harcèlement de la part de jeunes d'un forum. Ah, zut. Les mêmes que nous ne citerons pas. Et elle a annoncé qu'elle allait le faire fermer. Donc, comme toute une liste de gens. Ouais, ça va encore être rigolo, cette affaire. Alors, je t'ai collé un autre numéro. Il est en bleu au milieu. Je suis désolé, je sais pas pourquoi. Tu vois, le conducteur en ligne. Okay. Hop, je l'ai changé de place. Tiens, pan. Recherche-le. Oh putain, je vais le changer de place en ligne. Comme ça, tu réussiras jamais à cliquer dessus. Au passage, les gars, je peux dire un truc? Peut-être, non, ouais. Non. Ouais, Manu. Non, non. Oui. Ouais, vu que c'est toi qui gères All Gaming SG, là, si tu veux, tu sais, j'ai un stock de plein de jeux PC que j'ai récupéré, des jeux PC tout neufs, hein, ils sont encore, il y a encore l'emballage dessus. Et si tu veux, tu sais, parce que j'y joue pas, je peux les envoyer pour, tu sais, vous faites des jeux, vous les faites gagner, tout ça. Parce que moi, je les utilise pas. Ah, alors, écoute, alors. C'est gentil, ah. Bellic, écoute, si ça te sert pas, effectivement, tout nous sert, hein, donc fantastique. Avec plaisir. Fantastique. Putain, c'est plus sympa qu'une machine à café de Radio TV, bonjour. Ah, par suite d'un grand nombre d'appels anonymes, nous vous demandons de renouveler votre appel en affichant votre numéro. Ah, elle est malin. Ça, c'est des trucs qui sont faits depuis un petit moment maintenant, ça. Comment on s'est fait baiser la gueule. Bon, comme... alors, Zoro, tu te démasques, sinon tu restes dehors. Ouais, trop d'appels malveillants. Enfin, eux, ils estiment que c'est malveillant. Après, nous, c'est pas malveillant. Vous voyez les rails, là, vous déconnez trop. Regardez après ce qui se passe. Il n'y a plus de guéridon, il n'y a plus de machin, il n'y a plus ça, il n'y a plus rien. Attends, j'ai le numéro du standard, là. Attends, j'ai un autre numéro. On s'est bien marré quand même. Mais on va essayer, Je le rajoute sur le conducteur. Entre-temps, je veux juste dire un petit truc. Pour Mouche, c'est Gaiden, il m'a filé son EP et je l'enverrai avec la bombe à aérosol à Mouche. Oh, donc on voit tout ça classe, au sale gueule. Oh, et je vais réussir. Je fais le colis tout en même temps, il y a tout qui part en même temps. Oh, fantastique. Voilà, je vais chercher le son. Yes. Bon, alors, dernière tentative pour joindre RMC. Hein, on fait ça, une dernière tentative. Parce que bon, il va être minuit quand même. Un petit peu quand même. Envoyer des sourires. Mais toi, tu mets pas d'espace entre les chiffres pour bien me faire chier aussi. Je fais un copier-coller. Sinon. En plus. Ah ouais. Oh bah attends, je fais tout. Ouais. Je râle parce que les 10 chiffres sont collés les uns aux autres sans même un espace ou quoi que ce soit pour se repérer. Et il dit, mais en plus, je fais un copier-coller. Bah ouais, je me fais pas chier. Faut pas attendre, je suis en direct. Toi, oh merde, toi, le taper par contre. Ah, faut que tu le tapes. Bah oui. Bah alors, je fais les espaces. Parce que je reçois sur un ordi et je repalance sur l'autre. Donc. Ah, tu veux que je fasse les espaces? Moi, je m'en fous, je prends le temps de faire les espaces. Hein, genre, j'en ai rien à foutre. Et sinon, Manu, c'était passionnant, oui, excusez-moi. Oui, je suis là. Casa de Papel, saison 2, ce soir. J'ai fait les espaces. Ouais, j'ai pas regardé la saison, ça m'a tout pas tout de suite, branché, tout va mieux. C'est bien. Ah ouais, ouais, c'est pas mal. Moi, perso, je te conseille... T'aimes bien les animes, les mangas, les trucs ou pas? Bof. Groupe Next Radio TV, bonjour. Par suite d'un très grand nombre d'animes... Qu'est-ce qu'elle est anxieuse. Elle est vachement anxiogène, cette voix, je trouve. Hein. Elle fout le bad hein, quand même cette voix. En raison d'un trop grand. Franchement, elle fout le bad de ouf. En raison d'un trop grand. Je crois que c'est la même meuf qu'appelle Max. Sur son répondeur. Putain, bonjour les sorcières quoi. Qui est con. Bon. Avec les yeux bandés, tout ça dans le. Ouais, c'est elle. Et son frère. C'est lui, c'est elle, c'est qui? Son jumeau ou sa jumelle, je sais pas. Bon, alors attention, moi j'ai des sons encore. Je vais en refaire un big up à Petit Tonnerre parce que, alors voilà, on va poser un petit peu cette émission. C'est les sales gueules, on est toujours avec Manu. Mais oui, je suis là. Ben ouais, on est toujours avec le stagiaire. Ouais. Avec l'invité Momo. Bonsoir. Qui est plus mystère. Avec Authentique. Ouais, bonsoir. Et avec Coco. Et je fais un big up à Petit Tonnerre qui m'a envoyé des extraits d'un truc qu'il a découvert, je sais plus trop comment. Bref, une radio réunionnaise. Alors, la radio réunionnaise, c'est la réunionnaise, ouais. C'est la. C'est quoi le numéro pour 3 réunionnaise. Alors voilà, c'est un numéro. Du bled. Qu'on n'a pas du bled. Et il m'a envoyé des petits extraits de trucs qui sont passés en 2013. Alors, je vais en passer quelques extraits. Mais il faut savoir que actuellement c'est exactement la même chose. Et c'est une espèce de libre antenne où les gens appellent pour tout et n'importe quoi. Genre s'il y a un accident, s'il y a un radar, s'ils ont envie de baiser, si. Pour tout. Tu vois, une casserole, un truc. Donc ça donne des extraits assez chelous. Et y a des trucs comme ça. Ah, on le met, hein, tranquille, hein, les gars. Hein. Ah, soyez ça, pas trop pressés. Hein. Allez, au revoir. Ciao. Allez, 99 12 00. Allô. Oui, bonsoir. Bonsoir.
Oui, c'est pour passer une petite annonce. Oui, comment vous appelez? C'est Franck. Oui, Franck. Alors, ben, en fait, moi, je recherche un mec. Mm-hmm. Donc, moi, je suis métro. Eh, tu as quel âge, Franck? J'ai 42 ans. Et je suis sur Saint-Denis. Mm-hmm. Donc, je fais 1m78 pour 80 kilos. Et je pratique un bon bébé. ouais, enfin, bien constitué. Bon, bref. Crâne rasé, musclé, sportif. En plus. Massif. D'accord. Je cherche un homme actif, je suppose. Tant qu'à faire. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux. Pour que ça concorde, ouais, ça serait plutôt sympa. Donc, un homme dans le même ordre d'idée, on va dire. Alors, je sais même pas si c'était la journée ou le soir. Hein. Métro, enfin, peu importe. Parce qu'en fait, c'est tout le temps libre antenne, tout le temps. Toute la journée. Sportif comme toi. Donc ça donne des trucs comme ça. Endurant, sympa. Et ça donne des trucs. Il y en a un, franchement, il est incroyable. Alors attention, c'est celui-là. Moi, c'est un de mes préférés. Rendez-vous donc dans les magasins Kitem pour participer à ce jeu qui continue tout au long de cette semaine. Freedom, allô ? Et on a reconnu Guéridon quand même. Bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct, bienvenue. Bonjour. En fait, j'aimerais ne pas passer à l'antenne, s'il vous plaît. Oui, enfin, tout dépend de pourquoi vous appelez, c'est... J'aimerais ne pas parler à l'antenne. Oui, alors la radio quoi, sans passer à l'antenne, c'est difficile. Hein. Les seuls services, les communiqués, les avis de décès par exemple, ou les inforoutes et encore. Mais normalement, je vous dis, hein, je vous donne le numéro pour passer hors antenne, mais je ne sais pas si votre appel pourra être traité hors antenne. Il s'agit d'un communiqué ? Non, non, du tout. Mm-hmm. Vous pourriez peut-être me donner le sujet. Je souhaiterais joindre Madame Aude. Alors, Madame Aude, vous ne pourrez pas la joindre hors antenne. Déjà, voilà, vous faites bien de me le dire. Bah oui. Vous ne pourrez pas la joindre hors antenne à notre station. Ce sera d'ici une demi-heure, un peu moins. Donc voilà le genre de truc qu'on peut entendre parce que... Non, il y en avait un autre. Alors, J'aime bien le... Mm-hmm. Alors attention, le dernier extrait qu'on a écouté avec le stagiaire, on a tapé une grosse barre. C'est court, mais... Toujours mieux. Voilà. Donc voilà, je suis prête pour une partouze. Donc voilà, deux beaux Maoris ou deux beaux Comoriens. Ou s'il y a un petit cave qui se sent à la hauteur, il n'y a pas de souci qu'il m'appelle, mais qu'il me fasse grimper au rideau ce soir. Attention, hein, s'il ne fait pas grimper au rideau, là, ça ne va pas le faire. Voilà, donc je suis sur Saint-Paul, donc j'ai pas envie de faire le tour de l'île. Donc je suis une travestie, je recherche un mec bien maoré, comorien ou maoré, pour me faire bien baiser ou avoir une bonne sucette. Voilà. D'accord, pour c'est me dit. Joindre, 0693. j'ai coupé les mecs. Non mais c'est complètement ouf ce truc. Non mais je vous jure. Alors, 99 mais... 11 00. Freedom, bonsoir. Bonsoir Nico, comment ça va mon cher ami? Ça va aller là, tu vas bien? Ah ben tout va très bien, en forme là, je suis dans mon lit, je t'écoute là. Déjà dans le lit là, à cette heure-là? Non, là il n'y a pas toi. Il y a un matin, grand matin, on connaît, mais c'est à moi des soirs, mais c'est à mi-temps, on connaît. Là, faut un peu de repos, faut laisser les batteries surcharger. Bon après, à cet appel-là, il est en créole réunionnais, tout le monde ne peut pas comprendre, mais bon, vous voyez un peu l'ambiance du truc. Ça s'appelle Freedom Radio. Mais c'est... Est-ce que c'est pas rediffusé en métropole le lundi? Alors, je ne crois pas. Si, à 23h. Alors, non, attendez, il y a du contenu là. Attendez, les gars, il suffit de faire. Est-ce qu'il demande du pognon? Freedom, comment ça fonctionne Radio, ça les gars, on va écouter en direct quand même. Vas-y. Ah, bah ouais, freedom.fr. Tu peux y aller autant que vous, j'y vais. Un guéridon réunionnais ou pas? Tout de suite, il n'y a pas de souci. Alors, attention. Alors, le gars, je ne sais plus comment il s'appelle, c'est Petit Tonnerre qui m'a raconté. Je crois que c'est Bobby. Il y a un mec qui s'appelle Bobby. Et moi, je trouve qu'il y a un mec, c'est un espèce de mélange de Max et de Guéridon, un peu, ouais, je dirais. Au niveau de la voix. Au niveau de la voix, attention. Oh, un peu de respect quand même, les mecs. C'est la réunion quand même. Le alors, duc. Attention. Freedom.fr, tout simplement, je crois. Est-ce que tu alors, trouves. Il y a écouté Freedom et Freedom 2. Ah bah mais Freedom, écoutez Freedom, attends, non, écoutez Freedom. Apparemment la nuit ils mettent Europe 1 tout simplement. Ah bon? Ouais. Je crois bien ce qu'il y a marqué Europe 1 la nuit sur Freedom. Mais non. Si je t'assure. La nuit, ah ouais, faut dire que là-bas il est 2h du matin. Ouais. Ah ouais. J'essaye d'appuyer bon sur... Bon bah on fera des enregistrements la journée ou... Bah c'est battu d'une manière qui était pas terrible quoi. C'est pas moi. Et vous en êtes tout dans cette relation? Ah mais c'est Europe 1 ça. Je crois oui, c'est car... C'est du blanche. Ah c'est ouais. Du blanche. Ouais, tout à fait. Ouais, ouais. J'ai connu cette femme. J'ai eu une attirance.
Putain, voilà. Par contre, si vous allez sur freedom.fr et que vous cliquez sur votre radio et après donc sur écouter Freedom, en dessous vous avez le trombinoscope de la team Freedom quand même qui vaut le coup d'œil. Ouais, je vous invite à aller faire un petit saut sur leur site internet. Bah, vous allez voir, c'est une équipe, vois le Groland c'est une équipe bien faite. Alors, et surtout là, ça se tient le torse, c'est magnifique. Non putain. En parlant de Groland, quand même vite fait, quand même rest in peace petit ange. Ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Petit ange, un ange parti trop tôt. Tu sais que c'est le rip que j'ai vu le plus sur les réseaux sociaux depuis. C'est pas Dougie, non. Mais je crois que même Mandela, j'avais pas depuis vu autant de trucs. Non mais Johnny, pas sur mon fil, quand même, ou de la vanne, tu vois. Mais franchement, ça. Voilà. Ah, d'accord. Bref, vous écoutez les sales gueules. On a quelqu'un au téléphone, c'est qui ? Allô ? Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bah, c'est Michel. Salut Michel. Salut Michel. Pourquoi tu nous appelles, Michel ? Bah écoutez, minuit approche. Ouais, c'est vrai. Je voulais vous passer un petit coucou, c'est tout. Ah, c'est tout ? Tu veux pas parler avec nous d'un des nombreux sujets qu'on n'a pas abordés ? Bah. Ah ouais, bah je sais pas ce que vous avez. Es-tu au courant pour Maître Gims ? Hein, qu'il est colère. Il est colère. Chanteur colère. Chanteur rouleau. Parce que tu sais que Maître Gims donc n'a pas la nationalité française et l'a demandé, se l'est vu refuser. Ah moi c'est pas ça. Sais-tu pourquoi ? Parce qu'il chante de la merde. Non, c'est pas pour ça que je voulais en parler moi. Mais vas-y. Il a rempli un dossier et tout. Il a été refusé. Constitue un dossier. Il a constitué un dossier pour sa nationalité française et il l'a pas obtenu. Pourquoi, Manu ? Eh ben parce qu'en fait, il a deux meufs. Enfin, il est marié deux fois. Oh bah alors. Ah oui. Ah bah ouais, on n'a pas le droit ça. Et quand donc, t'as ça ne cadre choisir, pas. Ça ne cadre pas dans le. Avec nos mœurs, oui. Là, tout le temps des lunettes de soleil. Et moi je suis en train de regarder par contre la programmation sur Radio Freedom parce qu'ils ont un canal où ils mettent de la musique quand même et ça claque parce que quand même ils passent de la bande à Basile à Elton John et après ils mettent Céline Dion derrière et après sur France Gall et après Amel Bent. Manu il nous a fait mettre un APS. Putain, tu te manges une heure de Freedom et je te jure, soit tu vomis, soit tu t'enfonces des tournevis dans Manu, les oreilles. Quoi. Manu t'as fait fuir Gaiden. D'ailleurs, du bon son pour les bonnes oreilles là dans 4 minutes. Oh, un peu plus quand même, on a commencé un peu plus, en retard. On est tranquille, ouais. On va traîner peut-être un peu ce soir. Il y a une émission après là. Ouais, on est là encore. Ah, bah, putain. On n'est pas couché. Ouais. Donc Michel. Bah, on fait le marathon, tu sais, on veut battre Hanouna, on va faire 82 heures. Mais, alors, ouais, moi j'ai entendu, il y a un mec sur Energy qui a fait un marathon aussi, mais en radio. Ah oui, c'est le mec de télé, enfin qui était sur Energy 12 là, comment il s'appelle ? Ah putain, ouais, le Guillaume Play, celui qui a tout. Mais non, le mec inventé. le mec de Secret Story. Mickaël. Un mec de Secret Story. Mickaël, non ? Un mec de Secret non. Story, mais non, pas Miguel. Margual, Marguel. Oui, un truc. Miguel, Margual. Moi je connais pas, je connais pas. Marvin. C'est un nom comme ça, c'est un truc en M, non ? Marvin, c'est le rappeur. C'est un brun qui fait la nuit depuis. Il y a M, dans son nom. Eh ben, cherche un prénom où il y a M ou un M. Mourad. Non. Allô, ça, je m'en rappellerai. Maurice, allô, qui va l'acheter ? En plus, c'est déjà pris, ouais, voilà. Enfin, tu vois, il lui aurait dit de changer de nom. Je sais plus, aidez-nous. Tiens, je vais regarder l'IRC un peu. Big up les gens qui sont sur l'IRC. 46 000 connectés ! Et non, sinon, faudra faire gaffe aux contraventions, hein. Oh là là, vous êtes chaud sur l'IRC, là, les mecs, calmez-vous. Manu. Pourquoi les contraventions ? Bah, 300 balles à emporter. Hein. Ça me fait penser à quelque chose. J'ai été contrôlé par la gendarmerie en voiture. Oh putain, Manu ! Oh là là, j'ai peur. J'ai très peur. Raconte-nous, Manu. Non, mais rien de spécial. Ils m'ont fait, bon, bah, rangez-vous sur le côté. Ouais. Donc, est-ce que t'as fait un enregistrement ? Bon, papier assurance du véhicule, veuillez couper le contact. Est-ce que... Je descends pour aller chercher. Ouais. J'ai mes papiers les papiers, mon permis et l'assurance dans mon sac à dos qui était derrière, tout ça. Ils me font bon, ils me regardent un peu, tu vois, de la tête aux pieds. Ils me font bon, on va quand même vous faire souffler dans le ballon, monsieur. Hein. Je vais boire, pas de problème, vous savez, moi, de toute façon, je suis musulman, hein, c'est interdit de boire. Donc, bon. Déjà, bon, ils me font ok. Donc, je souffle. T'as pas enregistré le mec ça. Non, j'ai pas enregistré, non, quand même pas. Donc, le mec me fait souffler, il regarde, bon, il me fait ressouffler. Ah ouais. je souffle une deuxième fois, il regarde, il fait bon, c'est bizarre, ressouffler. Ah, trois fois. Donc, je souffle trois fois dans le bordel. Et pourquoi bizarre ?
Parce qu'il était négatif. Il y avait zéro à chaque fois, mais le mec ne le croyait pas. Ah, le gars croyait que t'avais bu. Ouais, bah je sais pas pourquoi. Ouais. Et t'as pas eu le test que j'avais vu. T'as pas eu donc le... après, il retourne l'alcotest, il monte 0.00. Je fais, bah je vous l'avais dit, hein. Bah ouais. C'est interdit tout ça. Donc machin, après il me fait, bon, on va passer au compte-tige quand même. Ah, le test salivaire, quand même. De quoi? Salivaire, test salivaire. Ouais, test salivaire, bien sûr. Okay. Bah oui, bien sûr. Bah attends, oui. Et là, t'as vu T'as vu que c'était le même que celui que j'avais ramené. Donc mais ouais, rassuré. C'est ça que je voulais savoir. Tu vois ma tête. Mais non, je sais pas lequel c'était. Il m'a sorti juste un espèce de tube. Bon, okay. Voilà, il m'a frotté un bâton. Je lui fais, vous savez, monsieur, hein, j'ai des LOX, mais je ne fume pas. Hein. C'est pas parce qu'on a des LOX que forcément on est un fumeur de ganja. C'est comme si c'est pas parce qu'on est policier qu'on est alcoolique. T'as dit ça? Ouais, et là, j'ai senti un petit froid. Ouais, bah oui, un petit peu, oui, je comprends. Un petit froid, okay. Mais du coup, comme le test était négatif... Bah ouais, tu lui as fermé sa gueule. Bah ouais, c'est de la merde. Mais le mec s'est quand même excusé, hein. Ok, le mec s'est excusé. Ok, Manu, bien joué. Donc c'était beau, hein, c'était beau. Le mec a fait, c'est vrai, excusez-moi, c'est vrai. Donc je lui fais, donc vous voyez, tous les mecs à LOX ne sont pas des fumeurs de joint, hein, la preuve. C'est vrai, le mec il me fait, oui, c'est vrai, effectivement, vous en êtes la preuve. Merci monsieur, vous pouvez circuler, bonne journée. De Rastaman. De quoi, Michel, quoi? Une association de défense des Rastaman, ça doit exister. Porte plainte, mec. Une rastaphobie. Bah non, parce que ça s'est bien passé finalement, Manu. Ah bah ça s'est bien passé, moi je leur ai fait bonne journée, bon courage, les gars. Voilà. Essayez d'arrêter des vrais méchants. Moi je vais faire du skate, bonne journée, salut. C'est beau. Bon, ouais, c'est bon. Machallah, la police. C'est beau, bravo. Ouais, petite Machallah, anecdote, le skate. Petite anecdote sympathique. Ah ouais, franchement, il on a. Repartir, il s'est excusé, c'est cool. On a quelqu'un d'autre en plus de Michel au téléphone, allô? Waouh. Wow. Ouais. Ah ouais. Je dis que c'est juste pour dire que le mec d'énergie, c'est Emric. Emric, je savais qu'il y avait un M. Putain, le gars, il est jeune, il connaît les bails. Bravo, Bélic. Ah ouais, même si t'aimes pas son émission. Ouais. Même si t'aimes pas. Non, déjà le nom de son émission, le Rico Show, ça pue la le main. Rico oui, Show, voilà. Attention. C'est ouais, Rico Show. Non. Le Rigo, non, c'est yes. Le Rigo Show. Bon, maintenant on va t'appeler Emric alors. Comment vas-tu, Emric? Yes. Non. Yes. Non. Donc t'as fait le loft, toi, c'est mais ça? Mais si, non, j'ai entendu des scratchs derrière. Baisage, tout est baisage. Allons, ne croyez pas ce qu'il est dit dans cette émission, s'il alors, vous plaît. Alors, Manu... Ah, c'est pour ça que t'as appelé Gaël, putain. Non, mais non. Alerte, Manu, alerte BFM Business. Oh, attention, alerte BFM Business, le stagiaire. Ouais, je viens de vérifier. Ouais. Rastaphobie. Rastaphobie. Il y a juste deux occurrences sur Twitter. Ouais. Ça veut dire que, Manu, tu crées une association... Ah, il n'y a pas de... Subvention, tu te fais de l'oseille, des dons. Sur la rastaphobie. Sur la rastaphobie. Oh, la discrimination, mais magnifique. Bah ouais, de toute façon, c'est un game, il y a plein de games. Regarde, c'est un game, hein, ça. Regarde tous les games qui existent maintenant sur les phobies, t'as qu'à lutter contre celle-là, toi. Celle-ci oh, mais merde, ça populaire. Veut dire que je pourrais aller aux mêmes réunions que la Lycra. Oui, voilà. Voilà, c'est bien. Franchement, Manu, on te promet un bel avenir. Oh putain! Demain je monte la sauce. Allez, c'est parti. On a une autre personne au téléphone, allô? Oh, demain je passe en mairie. Salut les Samuels, voilà. C'est Petit Tonnerre. Salut Petit Tonnerre. Ah, salut, merci pour tout le travail que tu fais, c'est magnifique. Et merci beaucoup, ouais, exactement. Merci beaucoup pour tout le travail accompli que tu réussis à faire en 2 semaines ce qu'on n'a pas fait en 7 ans. Bah, c'est grave. Ouais, je vous appelle pour donner 2-3 précisions là sur l'histoire de Radio Freedom. Là, donc, par exemple, c'est normal que vous n'ayez pas réussi à les avoir là à cette heure-là, parce que ouais, ils décrochent sur Europe 1 à partir de je sais plus quelle heure. Bon, avec le déjà, il y a l'histoire du décalage horaire avec la réunion, puis tu rajoutes le problème du décalage de l'heure d'été. Et je sais plus, donc il y a leur émission là, il y a 2 heures. Leur soirée qui s'appelle Chaleur Tropicale. Là, c'est le passage que vous avez entendu là avec les travelots, les mecs qui essayent de rencontrer, de faire des rencontres, hein, tout simplement. Ça, c'est le soir, c'est l'émission de leur 20h, 22h, un truc comme ça. Et après, ils décrochent sur Europe 1. Ah, ok, d'accord. Ok, donc. Okay. Ah, mais putain, et les gars, je vous dirais bien de tenter une radio quand même, moi, à cette heure-là. À cette heure-là, ah, autant faire. 01 34 12 22 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
Alors, Authentique va taper. En tout cas, Petit Tonnerre, vraiment big up, parce que déjà pour les sons de GG, parce que franchement, tu m'as fait un taf de ouf. Non. Si, si, je te jure que si. Non. Ah, si. Si. Non. Bon, bref. Ah bon. Ah non, mais ça, c'est fantastique. Et je me suis bien amusé et on va réfléchir à d'autres trucs. Ah tiens, pendant qu'on cherche Thierry FM, ouais. Je sais pas si ça peut s'écouter en live et tout, hein, je sais pas. Hein. Ouais. Je dis ça un peu au pif token, mais bon. On a eu une idée sur les sons Petit Tonnerre, mais Rigaud n'a pas validé. Mais tant que je te tiens, je vais te le demander moi-même. Quoi ? Vas-y. Est-ce que tu pourrais nous trouver tous les sons à caractère d'insulte raciale ? Non. Non, il y en a presque pas en plus. Que Gérard a pu prononcer, non. Parce qu'on aimerait appeler des sièges du FN. Il décroche pas, c'est comme les Républicains. En plus, les Républicains, je vous ferai écouter un jour le répondeur des Républicains quand tu les appelles. Les couloirs dans la... Manu, c'est ta radio, ça. Mais attends, ça parle ou ça fait quoi? Ça lag surtout, bah, apparemment. Ah ouais. C'est où, Manu? Ça c'est à Tahiti, mon pote. Ah bah ouais, aussi. J'ai relancé pour voir. Big up IRC. Mais ouais, les gars, je vous ai un peu zappé, mais trop de choses à faire, les gars. Ouais, parce qu'il y a une tonne de GG fil dessus, et je pense qu'ils doivent tous être en train de te dire big up. Ah ouais, franchement, ouais. Pour trop de temps. Même pas besoin d'être dessus, on les connaît. On a des casques et le dossier est constitué. On a des dossiers. Mais par contre, là, Thierry FM, putain, c'est vraiment très très loin. Hein. Moi, j'ai une liste de. Ouais, ça marche pas. Bon, tant pis. Parce que je pense que ça peut être un peu dans le même délire de Réunion FM, là. Ça a marché quelques secondes. Hein. Ouais, ça a pas marché longtemps. Ça a pas marché très longtemps, cette affaire. C'est dommage. Hein. Et est-ce qu'on vérifierait pas un petit contrôle IDFM? Mais non, les gars, j'avais oublié. J'ai une liste de quelques numéros de téléphone que j'ai sous les yeux, dont le tien, évidemment, qui finit par 80. Un petit tonnerre. Qui normalement est censé être blacklisté ou je ne devrais pas décrocher. Ah, un petit son. Il y a une liste de gens, ils sont blacklistés ce soir. Quoi ? Qui putain, il faut que je quitte la page pour que ça se lance. Non, mais franchement, c'est n'importe quoi. Ah ouais, c'est n'importe quoi ta radio, mais... Qu'est-ce que tu nous as sorti ? Vas-y, viens, je mets IDFM. Attendez, ça a l'air de se réveiller la Thierry FM, attention. On peut faire quelque chose pour nos jeunes ou nos enfants. Ah, ça serait le top, hein. Voilà, merci, Nana. Bonjour, Radio 1. Nana. C'est des répondeurs. Français, là, de l'UPR, je sais pas comment il s'appelle, d'aller en France faire sa politique, mais pas venir faire sa politique ici. Hein. Ça suffit déjà avec le nucléaire à Mururo. Oh, raciste. Mon grand-père, là, malade, injustement reconnu. Nous, on veut plus de... L'État français qui nous domine, nous avons notre... Mais oui, plus d'État français. Les gars, je vais devoir couper. Non, mais c'est une autre radio qui me fait couper le podcast, c'est n'importe quoi là, les mecs. Ah, c'est Manu qui nous a dit d'aller là-dessus, hein. Nous on cautionne pas. Ah, ouais, bonne ambiance. Mais c'est bien, radio indépendantiste haïtienne, on est là, qu'est-ce qu'il y a? Et il y a un numéro? Ah putain, on peut les appeler? Sachez que nous sommes tous fichés S, bonsoir. Ah, merci. On est des chauvins, moins d'étrangers. Oh putain! Non. Réécoutez et téléchargez ce répondeur. Oh la vache! Ah, tu peux le télécharger si des fois t'aimes bien, quoi, en plus. C'est un répondeur. Le Tahitiphone. 25-25, votre répondeur qui revient donc cet après-midi. Ce sera à 15h30. Et puis on pourra évidemment revenir sur le message de ce dernier auditeur, puisque François Asselineau, donc candidat à la présidentielle de 2017 pour l'UPR, nous a rejoint comme spectateur pour ce débat. On marque une. Oh putain! Oh la vache! Oh, fallait, c'est un truc pareil. Les mecs. Le grand débat de Radio 1 et Thierry FM. Thierry FM avec ce combo, putain, bordel. Il y a assez de. Est-ce qu'elle n'est pas bien, ma radio, les gars? Non, mais non, on peut pas laisser des trucs pareils. Moi, je vais bookmark hein, quand même, parce que bon, c'est des choses. Ah, t'as bookmarké, toi? Tout de suite, oui. Authentique, l'ami de côté, podcast bientôt. Ah, mais je suis sûr que Michel, il va écouter, j'en suis sûr. Bah, attendez, moi j'ai. Attendez, les gars, j'ai une question à Petit Tonnerre. Ouais. Ouais, la radio Freedom, est-ce qu'on peut les appeler? Comment ça se passe? Ah, ouais. Ouais, et le numéro, c'est surtaxé par contre. Tu peux dire, je suis à voix de Vincennes et je mets des passes. Franchement, je sais pas du tout, mais il y a souvent des gens qui appellent de métropole et ils vérifient les numéros et ils regardent par exemple si ton numéro il est. Si c'est un portable, tout ça, ils te le disent, puis ils reconnaissent les numéros, tout ça. Donc, faut dire tout de suite si t'appelles de métropole parce qu'ils grillent les numéros.
Ouais. Et donc tant que tu dis que t'appelles de métropole tout de suite, il pose pas de problème. Mais il y en a souvent, parce qu'à une époque, bah, c'est il y a en 2013, j'écoutais vachement souvent. Et ça les étonne pas du tout quand tu dis que t'appelles de métropole. Mais voilà, faut le dire, quoi. Moi, je sais comment ils font. Après, si tu veux faire des blagues avec eux, franchement, je sais pas quoi. Ouais. Mais il y a des gens qui appellent toute la journée pour dire tout et n'importe quoi. Ouais, c'est ça. T'as des cases horaires, en fait. T'as une case horaire avec Bobby, où c'est pratiquement toute l'après-midi, ça. Et c'est des gens qui appellent pour tout et pour rien. Ça va du gars qui appelle pour dire que chez lui, il y a des fantômes, au gars qui appelle pour dire qu'il veut vendre une lampe, au gars qui appelle pour dire que son voisin, il fait trop de bruit. Nous, on a écouté. En passant par n'importe quoi. Le gars qui dit que son voisin, c'est un gros con et qu'il faudrait que tout le monde soit d'accord avec lui. Alors... Oh, petit tonnerre, il est chaud. On a écouté. Il parle presque autant que toi, Rigo. Ouais, avec le. chaud. On a écouté et c'était joyeux. Merci, stagiaire. C'était très joyeux. C'était une femme qui disait que son mari la frappait et qu'elle voulait se suicider, je crois. Depuis 3 ans. Quelle horreur. C'était horrible. Moi, c'était horrible. Sérieux, c'était horrible. Bah oui, tu m'étonnes que c'est horrible. Et tu n'es marié que depuis 3 ans avec elle. Non, franchement, c'était hardcore. Ouais, c'est un peu pété quand même. Ah, et pour revenir dans la rigolade, tiens, petite info, Bando BFM, Jean-Vincent Placet sera jugé le 11 juillet, les gars. Donc il est sorti de... Il est tranquille, là. Ouais, il est tranquille, ça vient de tomber, c'est bon. Voilà. Michel, il fait des caisses dédiées en scred. Ouais. JVT, on va s'en placer. Est-ce qu'on a des nouvelles de Rof actuellement? Vous savez ce qu'il devient? Ah bah il est en clash avec Booba. Alors il y a je voulais en parler quand vous parliez de Gims. Tout à l'heure vous parliez de Gims. J'ai vu une vidéo de Gims où il parle d'un truc, d'un documentaire M6 qui est en train de se faire sur la triche dans le streaming. Est-ce que vous en avez entendu parler de ça? Ah, les clics, les farm clics. Ouais, parce qu'en fait, Booba, il accuse. Rof accuse Booba, pardon, excusez-moi. Rof accuse Booba d'utiliser, et d'autres artistes, d'utiliser des systèmes de robots, en fait. C'est comme les doubles players sur certaines web radios, fut un temps, qu'on les grille après sur Twitter et qu'après ils nous bloquent. Pins. Big up, Chevalier Blanc. Big up, Chevalier Blanc, exactement. Chevalier Blanc. Bon, bref. En tout cas, Gims, il dit qu'il y a des noms qui vont tomber. Alors, Rof dit que Booba. Non, mais c'est un vrai feuilleton, c'est les feux de l'amour. Et il dit que. Attends, qu'est-ce qu'il dit? Que Booba fait pression sur M6 pour pas qu'il y ait les images. Alors, Booba a répondu sur Insta. En fait, si vous voulez connaître Booba, ce genre. Quand vous voulez connaître ce genre de bail, il suffit d'aller sur l'Insta de Booba. Ou sur des sites genre Melty, tu sais, les trucs de merde, Combini. Ouais, tous ces trucs-là, Combini. Bref, excusez-nous. Oh putain. Big up, quoi. Non, moi je suis pas fan, mais bon, on connaît. Bref, vous écoutez les sales gueules, on connaît les bails. On est en rab en plus ce soir, il n'y a même plus de musique de fond, il n'y a plus rien. On est au téléphone. Ouais, non, c'est parce qu'on est posé, on est bien, on est tranquille. Ouais, c'est vrai. On est au téléphone, il y a qui encore? Alors, il y a Michel. Ouais. Ok, et il y a Petit Tonnerre. C'est la magie du vendredi soir, c'est quand même quand on est un peu plus posé qu'en semaine. Quoi. Ouais. C'est pour ça. Tu m'étonnes. Et non, il va passer en correctionnel quand même le 11 juillet. Hein. Ah bah oui, il va se faire corriger. Il va rater la finale de la Coupe du Monde. C'est une bêtise, faut qu'il passe à la caisse maintenant. Mais il est pour qui lui à la Coupe du Monde? Je comprends rien. Moi. La Corée du Nord. C'est ce que j'allais dire. Ah, il est pour la Chine. Je sais pas. Ah, il a pété un câble, mec, mais est-ce que vous croyez qu'un jour il y a une vidéo qui va sortir, vous pensez? Quelqu'un a filmé, c'est obligé. Des t-shirts. Oh, c'est obligé que quelqu'un ait filmé. Ouais. Le gars, il a pas fait une petite esclandre, apparemment. Un petit tour sur 4chan et tu. Non, mais en plus, ce que vous saviez pas, c'est que les meufs qu'ils ont importunées, il y avait deux meufs, elles étaient mineures, les gars. Oh là là. Bah, si, il y en avait qu'une qui était mineure. Je crois qu'il y en avait qu'une de 17 ans, les deux autres étaient majeures. Mais tiens, c'est. Ah, c'était ça l'allusion à Claude François? C'était ça. Mais alors, celle à Bertrand Cantat, c'était quoi? Il est minuit 12 maintenant. Bon, bref. Et on est en dernière ligne droite. Si vous voulez nous appeler, c'est maintenant parce qu'on va quand même décrocher au bout d'un moment. Ouais, mais ça continuera quand même. Attends, vous reprends pas, le conducteur. Qu'est-ce qui reste sur le conducteur? Les répondeurs. Ah, très bien. Qu'est-ce qui reste sur les répondeurs? Il y a des répondeurs. Bien, les répondeurs, mais oui, bien sûr, les répondeurs. Putain, alors, les répondeurs, faut et après, il y aura Soraya qui porte plainte contre Jean-Michel Maire. Alors, attention, répondeur. Oh là là, c'est quoi ce délire? Moi, je voulais passer à l'antenne, là. Mais bon, je vais le laisser sur le répondeur, mais je sais pas si ça compte pour le comptage, là. Bande d'enculé, putain de merde, chat bit, enculé, couille à la con. Ok, ça parlait des insultes dans l'émission 7. D'ailleurs, un gros boulot, Momo, hein. Franchement, j'ai le papier, je vous le...
Et j'ai l'impression qu'il y en a eu moins ce c'est soir. C'est réel. Je crois qu'il y en a eu beaucoup moins ce soir. À part si on remet Freedom Radio, mais ce sera pas le non, cas. Non, mais par contre, il y a eu beaucoup plus de. On pourrait beaucoup plus nous attaquer en diffamation ce soir. Beaucoup moins d'insultes, beaucoup plus d'attaques en diffamation. J'ai ouais, beaucoup plus de coupes dans le podcast. Alors attention, message répondeur. Oui, bonjour. Je fais une quête au profit des anciens animateurs de radio nécessite. Nous avons besoin de produits à vitre, de raquettes à vitre et des plans de feu rouge de Paris afin de leur permettre de rester les bâtards dans le train. Ah, ça se fait pas, ça se fait pas. C'est pas toi, d'accord. C'est pas vous. Bon, ok. Alors attention, on écoute un autre petit message. Ouais, salut les sagueules. C'est David, quelque part domicile en Grand Est. Bah, je voulais écouter votre message, effectivement. Il est trop drôle et trop groove dance. Ouais. Voilà, je vous fais un gros big up, un gros pouce. Et puis, je vous dis à bientôt et vivement votre prochaine émission. Eh bah, c'est ce soir, mon pote. Merci pour ce message sympathique. Dedans. Merci pour ce message. Ouais, salut, c'est encore David. En fait, j'appelle pour le jeu des... savoir combien il y a de putains dans la avant-dernière émission. Oh, il va y arriver ? Alors, je dirais qu'il y en a... si je me cours pas dans mon calcul, je dirais qu'il y en a 237,5. Parce que il y a 237 putains et il y a un putain. Donc ça fait un demi-putain. Donc 237 putains et un demi-putain, ça fait 237,5. Voilà, allez, big up. Big up. Merci à toi, mon pote. Ça fait plaisir. Alors attention, parce qu'en plus, on a Momo avec nous qui a compté et qui va donner la bonne réponse, qui a d'ailleurs été trouvée par Mimi Calambic sur Facebook. Il s'agit de 140. 140 fois le mot putain dans l'émission 7. Oh putain. De la saison 7, putain. 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 Alors, putain. Il n'y a pas de putain. Ça fait un tous les temps de secondes, quoi. Parce que c'est 120 minutes. C'est ce qu'on avait dit. Hein. Ça fait... D'ailleurs, j'avais des trucs. On avait plein de trucs pour ce soir et finalement, on les fera pas. C'est quoi cette histoire de fait. Procès je sais pas quoi, là, t'as dit Manu. Mais si. Oui. T'inquiète, je couperai tout. On parlait de procès aussi juste avant. Podcast 1h23. Il fera 1h23. Procès. Quoi je sais pas quoi, qui attaque je sais pas qui, je sais pas quoi. Un Soraya qui porte plainte contre Jean-Michel Maire. Alors qui est Soraya déjà parce que... c'est vieux dos. C'est celle qui s'était fait embrasser sur le nichon par Jean-Michel mais Maire. Mais vieux dos. Et là, elle porte plainte. Allez. Mais ça fait 2 ans, la meuf, elle se réveille 2 ans après. On a parlé de Roffé Booba, c'était mieux. Oui, mais elle a dit qu'à cause de ça, elle a dû arrêter ses études de médecine. Études de médecine. Elle a dit ça où? Ça a brisé sa vie dans, je sais pas, dans tous les journaux. Ah vas-y, zap, change de sujet. Donne-moi un autre sujet. Ouais, donne-moi c'est un sujet de merde. Hein. Stagiaire, allez, sors désolé le conducteur. C'était bien. L'appli Yuka, tu manges de la merde? Ouais, tu connais l'appli Yuka, tu sais, tu scannes des trucs de la bouffe. Et d'ailleurs, le Tropico. Mais bien sûr que je l'ai, l'appli Yuka, c'est génial. Putain, et moi, j'ai bu du Tropico et c'est de la merde. D'après Yuka, c'est de la merde. Bah oui, bah c'est la vérité. Hein. Ils ont cartonné avec cette appli. Moi, avant, j'en avais une sur l'oseille, le prix, tu vois. Genre, tu compares les prix, mais comparer ce qu'il y a dedans, c'est mieux, je trouve. Bref. Ah bah oui, au moins, ils détaillent vraiment tous les... Non, franchement, elle est bien, l'appli. Hein. Ah mais tout le monde l'a, en plus, cette appli. Hein. Franchement, je sais pas si vous l'avez. On leur fait de la pub, en plus, putain. Mais oui, c'est une petite carotte, en plus. C'est tout mignon, c'est kawaii. Tu couperas au podcast. Alors attention, Momo me propose de tester... voir s'il y a quelque chose sur IDFM. Alors. Alors. La radio du bien-être, la radio du mieux-être. Alors, est-ce que. Pendant ce temps-là, je regarde vite fait le conducteur. Émission Wild, je sais pas ce que c'est. Oui, il y a eu l'émission Wild. Oui, moi, j'ai regardé ça. Ah, bah, et moi aussi. C'était assez choquant. Ouais. Je fais ma petite chronique, c'était assez choquant. Il y a une meuf qui avait la diarrhée. Genre, ah, mais c'est ceux qui boivent leur pisse et qui chient dessus. Ah, mais oui. Attendez, je mets IDFM. C'est très ça, ouais. Allez. Bonjour monsieur l'animateur de radio. Je viens parce que j'ai envie de savoir qui vous êtes et puis c'est quoi comme émission que vous faites. Je te crois cette pas. Émission, elle s'appelle Dynamicalement Vôtre. Elle est animée par une table ronde à pied central. Et c'est Guéridon. Et il est unique, le pied central. Merci monsieur l'animateur de radio. Bien sûr. C'est moi, j'écouterai. Dynamicalement Vôtre. Vous n'avez rien à dire, ça tombe bien. Et lui non plus. Guéridon sur Radio Anguin, minuit et 6h. Ah les gars, je suis désolé. Je suis obligé d'essayer de faire croire aux stagiaires qu'il y a Guéridon. Mais j'y crois plus. Bah alors ne me demande pas à moi de mettre IDFM. Ah mais tu me l'as pas demandé ce soir. Il était temps qu'il prenne sa retraite quand même. Hein.
Ah, où stagiaire, t'as mouillé ton pantalon. Non, je n'y ai pas cru. Non, pas ce soir. Ce soir, il n'y a pas cru. Non. Et on a, excusez-moi, on n'a pas parlé non plus de Greg qui a mis un pouce dans la chatte d'Evangeli. Ça, c'est pas la télé, il paraît, mais on ne sait pas, on n'a pas d'infos. Ouais, il veut pas qu'on en donne. Il veut pas qu'on en parle. Ah, il voulait pas qu'on en parle. Oh, putain. Merde. Quelle heure? Je sais pas, dans l'après-midi, je crois, quand personne regarde. Et on n'a pas parlé de Jean-Marie qui a changé de crèmerie, non? Ah, mais ça, je suis pas au courant. Ah, bah, t'es pas au courant? Mais non. Il a rejoint un parti européen. Jean-Marie? Ouais. Ah ouais. Mais avec que des fachos. Ah bah ça alors. Mais des vénères. C'est étonnant. Des hongrois vénères. Non. Si. Des croates, laisse tomber. Non. Non. Arrête. Allez, bon. Jusqu'au bout. Ça c'était sur le conducteur ça, stagiaire? Ouais, c'était sur le conducteur, je l'ai vu, ouais. Oh putain, alors attendez. C'était même marqué le nouveau parti de Jean-Marie, la renaissance politique. Oh putain, le stagiaire, c'est sale. Podcast minuit 19. Oui, Michel. Quoi, Michel? C'est qui l'édito de cette émission là? Bah alors, le truc, c'est que tout le monde a pu écrire dedans. On a tous les quatre pu écrire dans le conducteur. De toute façon, et on s'en fout si on se fait strike par YouTube, on va tirer. Quand ça parle des commandos anti-gauchias de l'université de Montpellier, on se demande qui a écrit ça dans le conducteur. Un peu plus loin, je lis quoi? Un contraventionnalisme. Ah ouais, cannabis, 300€ à emporter, 250€ sur place. Plus peine, sachant qu'il y a eu 1000 personnes en prison en 2017 pour consommation. Et c'est pour consommation de drogue de manière générale. Il y a 1000 personnes. Ouais, mais moi j'ai mieux parce que sur mes pochons, j'ai pris un code-barre d'un truc bio. Et du coup, quand tu scannes mon pochon de weed avec Yuka, ça te met que tout est bon. Ah, faudrait que j'essaye, tiens. Ça, tout c'est est bon idée. Dans le pochon, d'accord. C'est bien. Oh, tout est bon dans le pochon. Oh, ouais. On devrait faire un t-shirt. Tout est bon dans le pochon. Ouais, franchement, tout est bon dans le pochon, il est magique. Ce serait... Dépose-le, stagiaire, dépose-le. Mais au profit de quoi, Manu? Bah de nous, hein. De l'association contre eux, la Rastafari. Ah oui, mais ouais. Mais exactement, mais je vais demain en mairie de mon... Et par contre, il faut un trésorier et un secrétaire. Pour faire une association, bah ouais. Ouais, pour monter une association, il faut un président, un trésorier... Un secrétaire. Manu, il connaît les bails. Qui se dévoue, les gars? Ah, bon, on en parlera hors antenne de ça. Il est trop tard. Clavier, je pense. Ah ouais, je pense, Michel. Ah ouais, on va se faire plagier. Ouais, la taxe radio, elle est déjà sur l'INPI, là. Ah, putain, les bâtards. Ouais, il sort des t-shirts, déjà. Non. Ouais, c'est déjà dans l'imprimerie en Chine, là. Vous êtes cons. Vous écoutez les sales gueules. Eh non, mais les gars, à un moment, faut qu'on raccroche, hein. Ouais. Eh Michel, ouais, on a des mugs à mouler, ouais, nous on les fait nous-mêmes, on a un tour à poterie. Là, et d'ailleurs, je vais encore... Non mais sérieux, quand on va encaisser la cagnotte, les gars, on a des idées de ouf. Déjà des mugs. Ouais, on va on va l'encaisser quand on aura 1000 balles. Ah ouais, toi là, ça y est, t'es... 800 et quelques balles. Ouais, ah, j'ai maintenant, vu, ouais. Ça y est, on a, faut, ah ouais, faut attendre le super méga objectif. Bon, sinon, il n'y aura pas d'émission. Sinon il y aura quand même des émissions. Alors attention, le authentique est. Est-ce qu'on a perdu 1€ nous aussi? Bon, bref. C'est un point cagnotte. Alors attention, petit point cagnotte avec Authentique. Authentique a dit objectif 1000€. Attention, objectif 1000€. Yes. Et on fera quand même des émissions. Yes. Et plein. Yes. Avec plein de trucs dedans. Yes. Marrant. Vous donnez une fois. Hein? Ouais, si vous donnez 1€ une fois, vous donnerez 1€ 1000 fois. C'est que la prochaine fois, si vous n'êtes pas sur une vraie radio, moi je reviendrai pas dans le studio. Ah non, ça c'est pas bien. Pourtant, on a des Google Home. Il y a encore Gaiden là? Non, ouais, c'est Gaiden, mon pote, ça va? Oh putain, Mike de Bandby, mais ça va? Mais franchement, ça me fait penser à un truc, Rigo. T'as pas reparlé du remix, là, du sale remix, quoi. Mais arrête, on en a fait une demi-heure en début d'émission, mais ouh! Mais non! T'es d'accord, Manu, t'es d'accord avec moi que ça a duré une demi-heure? Alors, sachez, mais oui! Sachez, cher ami. C'était sympa même, ici. Oui, oui, authentique. Il est minuit 23. Oh merde, quoi. Oui. Il est minuit 23. Ouais. Mais à la limite, on s'en fout de l'heure. Bon, il manque 175 balles pour la cagnotte. Il nous faut 175 balles. Bon, on a le temps de les réunir. Non, mais moi, j'ai des idées de ouf. Parce que chez Emma, tu peux commander 4 mugs.
pour 8 euros. Non, non, mais j'ai dit, on va un tour à poterie directement. On va prendre de la terre glaise et puis on va les faire nous-mêmes. Hein. Et après, t'as regardé Ghost mais sur non, C8 hier. Mais non, les gars, mais écoute. Je te vois bien avec Rigaud autour du tour à poterie. Mais les gars. Oh, bâtard. Mais, non, je couperai ça aussi. 8 euros les. Mais arrêtez, laissez-moi parler. Faites du calcul. Comment il s'appelait déjà? Vas-y, Patrick Swayze, c'est ça? Je sors. Rigo qui nous dit fais un calcul. Viens, sinon on moule une grosse bite avec le prof de techno de Bellic. Trop machin. Il se la mettra dans le cul et puis ça fera des biens. Tout ça là, minuit 24, je coupe. Ça dégage. Moi, je suis toujours là, je monopolise toujours une ligne alors qu'il y a plein de gens qui essayent désespérément d'appeler pour faire des dons. Moi, je vais raccrocher. Merci petit honneur. Actuellement, donc on est à 825 euros dans la cagnotte, ce qui est déjà énorme. Bonne soirée à toi. Merci petit honneur, ciao. À bientôt. Merci mon pote. Ouais, bonne soirée à vous, ciao. Ouais, donc je disais. Toi aussi, merci beaucoup. Et c'est l'heure on de la taxe. Trop poli dans les salles. Ouais, je te jure. Attends, à toi, je t'en prie. Donc, à toi. Ouais, alors actuellement, il y a 825 balles dans la cagnotte. C'est déjà, comme je disais, c'est déjà énorme. Il reste encore 24 jours, mais enfin, même si c'est 25 ou 26 ou 27, enfin, on s'en fout, on va pas prendre le pognon encore tout de suite. Ouais, parce qu'en fait, à la base, on avait mis juste ce qu'il nous fallait pour continuer et il y a eu plus, donc voilà, on a laissé le truc couler histoire que les gens puissent donner. Ouais, voilà, on est tranquille. En tout cas, on a des idées de ouf. À avancer. Donc le Hall Gaming SG. Le mercredi à 21h 21h30 à peu près 21h ou 21h30 Manu 21h30 voilà merci 21h30. Et pourquoi donc, le mercredi parce que c'est le jour des enfants sur ce même site voilà le mercredi donc à 21h30 avec Mehdi avec Manu avec moi qui connais que dalle et voilà et le Hall Panamégé toujours là aussi le lundi à 21h avec Pat avec Gabi qui va bientôt faire son retour aussi qui n'était pas là ces dernières semaines mais qui sera là aussi avec Yankee à qui je ne dis pas bonjour hein, forcément on lui dit pas bonjour non et puis bah les habituels la team Hall Panam hein, de toute façon big up les gars Monsieur, on est là. Vous passez. Son Kyle, tout ça. Quand est-ce que Gaiden fait son émission? Ah, Gaiden, quand est-ce que tu fais ton émission? Et même Roro, Saint-Etienne. Bientôt. Mais je suis en train de travailler en ce moment, c'est pour ça. Voilà, il travaille trop. Par contre, nous ne saluons pas Peter qui n'est pas fiable. Ah, ouais, ça c'est vrai. Hey, les gars. Ouais, c'est ouais. Tom from New York, je me suis infiltré sur une ligne téléphonique. Je voulais dire que moi, je suis encore au taf là. Ouais. Et que ça fait. Je fais des heures sup à écouter les sales gueules. Oh, bravo! Franchement, je suis trop content parce que ça fait une heure et demie que je suis posé en sup, je vous écoute et je suis payé pour ça. Ouais, c'est pas beau, c'est magnifique. Franchement, c'est fantastique, ça fait très plaisir. Mais après, on continue, on a dit. On continue avec l'invité mystère. Ah ouais, ça ne s'arrête pas. Il y a deux lignes téléphoniques maintenant. Non, mais attends, c'est le futur. On est dans le turfu, mon pote. Et dans un il y a Manu au téléphone et il y a en plus deux autres lignes. Non mais que se passe-t-il? Non mais c'est incroyable. Non mais je sais même plus qui c'est le deuxième allô. C'est Tom from New York. Ah bah c'est Tom from New York. Il y a quelqu'un d'autre aussi. Ouais c'est Michel. Michel voilà. C'est Michel, on est toujours avec vous les mecs. Putain on fait du rap juste pour vous. C'est beau. Alors, c'est cool. Bon alors attention, dans le conducteur, il restait quoi dans le conducteur? Il restait fusillade pour strike sur YouTube. Oh mais non. Oui, alors ça craint ça. Ah ouais, ça craint, non, on n'en parle pas. Vous les avez vus les vidéos de la meuf qui a été là-bas et qui a tiré, vous les avez vus? Donnez le feu rouge. Ah ouais, donnez l'oseille avant. 840 euros. Putain, ah ouais, on a eu un don. Oh là là. Putain, qui... Donnez-moi. Non, on va être attaqué de plagiat. Allez, on fait 10 minutes de plus. Encore 160 balles. Allez, 10 minutes de plus, super. Yes. T'avais pas moi, pour 10 balles, si quelqu'un donne 10 balles, je veux bien faire une balade de nuit volume 5 un jeudi. Putain, quel rime de bâtard. Avec des bruits de marmotte. Calmez-vous, s'il vous plaît, arrêtez. Mais tu devais nous faire un quiz de calcul mental. C'est obsessionnel chez vous. Oui, parce qu'à la dernière émission, je suis désolé, Morel, il a donné le nombre d'insultes totales et il a dit, si on enlève les putains, il en reste tant. Tu te rappelles? T'as dit, il y a 250... Il l'a dit. Ah ouais, mais, par contre aussi, si vous voulez, moi pour si, enfin, si on me donne le mardi, je peux me faire sucer par une standardiste dans ma Porsche. Mais c'est obsessionnel chez vous. Mais c'est obsessionnel chez vous. Bon alors arrêtez. Avec le prof de techno de monsieur arrêtez aussi. Je suis resté bloqué il y a 115 ans. Arrêtez. Merci s'il vous plaît. Parce que ça commence à bien faire. Non mais en plus ouais parce que du coup, voilà.
T'as dit, Momo, il a dit, il y a eu 256 insultes. Si t'enlèves les putains, il en reste 116. Et on était là comme des cons et on n'a pas été capable de faire une putain de division de merde pour faire 140. Non, c'est faux puisque moi j'entendais rien, ça compte pas. En tout cas, c'était 140. Mais n'importe quoi, l'émission 7, t'entendais. Et puis il y avait le podcast. Rien. Non, mais non. Bref, il y en a eu 140 et on est tellement nul en soustraction que j'avais noté quelques petites additions, soustractions, multiplications. Stagiaire, 47 plus 68. 125. Alors attends, je cherche. Ok, merci stagiaire. Mais non, 115. 115 stagiaire, t'es nul. Oui. Alors attention, Manu, t'es chaud. Alors attention, 23 fois 5. Oh là là, 115 aussi. Mais ouais, mon pote, ah, Manu, il est trop fort. Attention, vous allez voir. Attendez, Authentique, il veut jouer. Alors attendez, Authentique. Je veux jouer. Ouais. 1380 divisé par 12. Attends, laisse-moi réfléchir. 115. Putain, alors, c'est attends, chaud, attends, des il réfléchit. Les gars. Ah non, mais non. C'est chaud, hein, franchement là. Quelle triche. Oh putain, il fait son billet. Attends, ah, attention. Moi, je me roule un pétard. Voilà. Ça doit faire dans les 950 à peu près, mais. Oh les gars. Moi, je dirais 950, mais ça doit être un truc qui tombe pas rond. Qui tombe pas juste. C'est la mort du petit cheval blanc. C'est toi qui tombe pas rond. Et pour finir, racine carrée. Mais c'est quoi le résultat, putain? Moi, j'ai dit à peu près 950. C'est quoi le résultat? Tu le feras chez toi en réécoutant le podcast. Et racine carrée de 13225. Tu le ramasses, oui, 115. Il est fou, lui. Ah, bah voilà, bonne réponse du stagiaire. On est d'accord, hein. Il y en a une qui était foirée en fait, je crois, mais sinon toutes les réponses étaient 115. Ouais, ouais. Rigo, moi je voulais savoir, vous allez refaire des appels avec GG, parce que je voulais savoir en fait si c'était possible pour si vous en refaites éventuellement. Non, sampler le faut pas confondre faire, tentacule en fait, et ensuite on va prendre des inserts de Max et on va appeler les Restos du Cœur. Salam alaikum à tous vos frères. Alors attendez, parce que là il se passe des trucs où je comprends plus à peu près l'ensemble des choses qui sont en train de se passer. Tu disais quoi exactement, Tom? Moi je disais qu'il faudrait faut pas confondre tentacule et encule ta sœur. Ok, il faut pas confondre tentacule et encule. Tentacule et encule ta sœur, ouais, parce que ça c'est quand même mythique. Je voudrais voir comment les gens de 2018 réagissent quand on leur dit qu'il faut pas confondre. Ça non, c'est pas du tout pareil. Faut pas confondre tentacule et encule ta sœur. Ouais, t'inquiète, il est là. Si on appelle des gens du Nord, ça va pas les choquer. Hein. J'ai mis un peu le temps à le trouver, mais en gros, les gars. En gros. Non, mais encore plus con que la lune, celui-là. Attends, voilà. Et ta mère a sus ou pas? C'est une bonne idée. Oh, tu fermes ta gueule, toi! Oh, tu fermes un peu ta gueule quand je parle, d'accord? Voilà, il y en a des tonnes, vous avez même pas idée à quel point. Il y en a des violents, quand même. C'est vrai. Et tu veux pas rappeler François de la Courneuve avec tes samples de GG? Non, ça ira. Et est-ce que tu l'as, Banania remonte à ton arbre? Non, j'ai pas arrêté. On a le générique des petits gâteaux, mais c'est tout. Ouais, c'est tout, ça suffira quand même pour ça, les gars. T'as la Coupe du Monde en Russie bientôt pour ça. Allô? Bonsoir. Je veux savoir si je peux payer en rouble. Non. Bah justement, tiens. Non. Ah mais tu sais c'est que par contre au mondial de Russie, ouais. Si tu as dans la poche une ordonnance en russe qui t'autorise à avoir sur toi une drogue, t'as le droit. D'accord. Quelle qu'elle soit. C'est vrai. Ouais. Je vous jure que c'est vrai. Tu l'as déjà dit. Non. Je l'ai déjà dit dans cette émission. Pour au compte. T'es sérieux? Putain, je l'ai dit au stagiaire. Et moi j'ai dû dire jurisprudence. C'est vrai. Euro 2000. C'est ça. Parce qu'à Amsterdam, vu que les mecs fumaient, ils se bastonnaient pas. Putain de merde. C'est faux. Ah non, à Amsterdam, il n'y a pas eu de bagarre. Bon, je l'ai déjà dit. Dans l'euro. Ah, mais tu vois, pas du tout. C'est pour non, parce que les mecs... Alors attention, il y a... Oui, Michel, quoi? Non, t'as dit quelque chose. Je t'ai entendu, moi. Non, rien. T'as mis de la thune dans la cagnotte? Ouais, tiens, t'as mis de la thune, toi. Ouais, assume, t'as fait des dons au moins, toi. Voilà, soyons un grain. Toi, t'es un mec qui donne pas, toi. Tu gagnes combien? On nous a tout appris, tu vois. 115 ans, tout ça. Tu gagnes combien? Non, mais là, c'est la fin du mois, c'est bon. Là, il nous faut les 3 dernières feuilles d'impôt, tout ça. On va calculer. On va voir. Ah, putain. Bon, les gars. Bon, il est temps d'y aller. Moi, j'ai une question pour l'auditeur. Est-ce qu'il a une Google Home? Parce qu'il peut faire péter le mendiant ensemble. T'as pas d'avoir. Yeah. C'est derrière, c'est quoi?
Bon, les gars, il est l'heure de se dire au revoir quand même. Mais restez. J'ai une vraie question, juste avant de finir. Comme tu as réussi à faire dire à ta Google Home, fais péter le mendiant, est-ce que si tu démerdes pour faire genre, fais péter les génies et qu'on tombe sur nous? Ah oui, ça, y a moyen, ça. Pour pouvoir le rappeler, tu vois, pour pouvoir le rappeler la semaine qui suit avec une nouvelle. Je mets tout de suite les sales gueules sur la bande passante. Oh, sur YouTube. Oui, allô? Ouais, excusez-moi, c'est Rebellic. En fait, mon pote vient d'envoyer un truc, du coup, j'étais obligé de vous appeler. Bah alors, le problème, c'est que je peux pas mettre de capuche, j'ai trop de cheveux. Oui, Bélic. Au début de la vidéo, on le voit déguisé en Zorro. C'est une blague. Il va chercher la meuf à l'aéroport et après, c'est... Voilà. C'est tout. Ah, il y a du scénario. Comme Zorro. C'est tout. Comme Zorro. Comment c'est pas... Plus sérieusement. Non, mais ça, c'est vrai, par contre. Et aussi, j'avais un truc à vous proposer à propos de la canette, tout ça. Ah, attention, chaud bouillant, en fait, chaud bouillant. Voilà. Je sais pas si Rigo vous l'avait dit, mais moi, en fait, je suis du catch. Je suis dans une école de catch, etc. École de catch, le mec. Mais du catch que ça fait semblant de se taper. Bah ouais, du catch quoi. Remboursé. Attends, Bélic, est-ce que tu peux sauter de la troisième corde pour nous prouver ce que tu... Ouais, parce que Tax, il faisait ça aussi à un moment sur MCF, c'était rigolo ça. C'était, Ah bah d'ailleurs, il était avec Evangélie, non? Ah non, c'est le poker. Putain, ouais, le poker tout nu avec Evangélie. Ouais, c'est ça, ouais. Oh, les gars. Ah, ça, c'était... Et vous pouvez encore taper un strip poker W9, vous allez voir, il y a les podcasts encore, là, c'est... Ah, ouais, ça, c'est magique, les gars. Ça, d'ailleurs, Evangélique, que l'on trouvera à l'arrière des pouces et des vagins, je sais pas quoi. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est les autres. Et de la bouffe. Et de la nourriture. Oh, putain, c'est... Two Girls One Cup, un peu. C'est pas moi qui l'ai dit. Ah, bah, Evangélique, tu lui amènes un soucis, elle vous a... Bon, mets-moi la musique de Titi, là, j'en peux plus, les gars. Ah oui, moi je voulais encore continuer parce que je ne l'ai pas en fait. La musique de Titi sous le coude. Ah, je n'ai pas la musique de Titi, mais si, je vais la mettre quand même. Ah, mais moi je suis sûr que je peux la trouver. Ah, si tu l'as, c'est magnifique. Ah, bah on va chercher, t'inquiète, on a le temps, hein. On n'est pas pressé, c'est les sales gueules. Merci à tous les gens d'avoir été avec nous. Franchement, t'as une blague? Non, pas. Bah, attends, je vais en trouver une. J'en avais noté quelques-unes. Il peut, le stagiaire. 22h. Le shit, c'est de la résine de cannabis. Le jeudi soir. L'herbe, la beuh ou le weed. C'est bon ça. C'est les sales gueules. Je fume la fleur qui a un taux de THC d'environ 15 à 20%. Bravo, Myrta. Franchement, c'est cool. De 22h à 2h. J'utilise un grinder pour la décompacter. Tous les jeudis. J'ai besoin d'un stick. C'est les sales gueules. Pour faire un stick, je prends un filtre marocain. Ou un bédo, un joint ou un cône avec des slims. C'est les sales gueules. Exactement. Bon, comment je me procure tout ça? Bah, tu dis que c'est un ami qui la cultive. Des 22h. Et ça se cultive comment? C'est les sales gueules. Bah, tu sais, il y a différentes techniques. Alors, en pleine terre, en jardinière ou alors en placard. Oh putain, chaud. Bah, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Il faut qu'on passe aux travaux pratiques parce que si on veut que tu saches rouler avant ce soir, il faudra qu'on s'y mette. Hein. Salut, c'est Max Ibrahimovic de l'AFM. J'écoute les sales gueules Manu Rigo sont les deux PD de la bande FM. Les sales gueules, c'est franchement unique. Voilà, on peut remettre Titi, excusez-moi. Voilà. J'avais envie de lui passer ça. Est-ce que vous vous souvenez d'où il vient l'extrait sur la beuh, le grinder et tout? Plus belle la vie. Il vient de Plus belle la vie. Et vous savez qui écrit pour Plus belle la vie? Manu Maui. Jean-Vincent Blasé. Martin, bien sûr. Merci pour cet extrait, Martin. Ah oui, c'était beau. C'était sympa. Oh, vous m'avez tué les oreilles. Oui, stagiaire. Une petite blague. En plus, elle est d'actualité puisqu'elle va parler d'asiatique. Comment Laurent Ruquier enlève sa capote? Non. On la connaît, celle-là. Bon, bah alors je vais pisser, moi. Quelle est la différence entre le pastis et un tsunami? Entre le pastis et un tsunami? Yes. Bah, s'il y a trop d'eau, le jaune meurt. Oh là là. Oh là 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 là. Merde. Celle-là. Oh le stagiaire. Oh non. Oh mais celle-là, même moi je la cautionne pas. Il en peut plus. D'ailleurs, je te kiffe physiquement, mais tes idées, pas trop. Je pense que s'il y avait rapport sexuel entre nous, il y aurait beaucoup de rage et beaucoup de non-dit. Bon, bah, c'est pas grave. Hein. Ok. Merci d'avoir écouté les sales gueules, les gens. Si vous comprenez pas tout à ce, okay. À ce moi, podcast. Avec. Merci à vous, les gars. On le dit pas assez, mais merci à vous quand même. Merci aux sales gueules. De rien, mon pote.
vous êtes vraiment des pros. Merci, c'est cool. Hein, merci mais... Michel aussi. Merci. Merci de pas nous racketter l'argent de la cantine aussi, parce qu'il y a des gars, des animateurs radio, comment dire, ringards. Ils te demandent combien de thunes tu fais par mois, ils te demandent de faire un don et tout. C'est sympa de pas nous racketter. Je vois pas de qui tu parles. Et m'étonne. Non, un mec pas connu. On vous rappelle pas chez vous sur votre numéro privé. On réveille pas vos gosses ni votre femme et tout. On est sympa, quoi. Ouais. Un petit peu quand même. Merci de pas nous blacklister aussi. Putain, j'ai plus de batterie dans mon téléphone. J'ai oublié de charger mon téléphone pendant l'émission. J'ai 1% de batterie. Fais un peu de rap comme moi. Tu fais des heures sub juste pour te recharger ton téléphone. Ouais, mais je vais les faire poser dans le canapé. Tranquille. Okay. En écoutant les potos qui prennent la suite, là, restez à l'antenne. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Les gars, restez là. Hein, parce que ça va appeler 01 77 62 40 22. Yes. C'est Momo et Authentique. Il va y avoir du bon son. Et du bon son. Il y aura du bon son. Et du vrai son. Hein. Truc, tu vas l'entendre et tout. Comme les morceaux que j'ai mis ce soir. Comme le premier morceau avec l'autotune. Ouais, hein. Comme le premier morceau, mais oui, bien sûr. Le morceau qui a auto-tune fait. Autotune n'est pas une seule rime riche. C'est quand même triste, la chanson française. Il a fait fuir Gaiden, Manu, ton morceau. Mais direct, le mec, je l'ai mis en PLS. Direct. Je ouais. Mais qu'il revienne dans deux semaines, il y aura Marwaloud. Non. Là, tu t'as fait le coup une fois. Non. Ah bah, c'est Marwaloud ou le j'aime pas hardcore, hein. Non, le j'aime pas hardcore, on le fera pas. Mais si, il est bien. Tu nous feras pas la même chose. Non, t'as déjà fait ce coup-là. T'as fait le coup à cette émission-là. Genre, soit je le fais, soit vous mettez le son. On a mis le son. On a joué réglo, nous. Jackie les Croix Celtiques, c'est quoi? Jackie les Croix Celtiques. Mais moi, ça fait 20 ans que je veux faire le Jackie et les Croix Celtiques, putain. C'est des cons. Et le jeu des trois homos. Et le jeu des trois homos aussi, je veux faire. Eh oui, forcément. Bon, merci d'avoir été avec nous, les gars. Ça fait plaisir. Je vais faire un petit big up sur l'IRC vite fait. C'était vraiment sympa ce soir. Et venez la semaine sur l'IRC, on est bien, on est posé, c'est cool. Ouais, moi c'est parce que je suis pas sociable. Hein. C'est pas que j'ai pas. Voilà, mais. Big up roi des animaux, big up dingo. Big up Niak. Big up Gaiden. Big up tous ceux qui sont là, ouais. Ah, big up Gaiden d'être passé. Je vous big up, mais je m'en fous. 9-4. Et venez la semaine sur l'IRC, c'est cool. La journée sur l'IRC, c'est zen. T'es bien, t'es sur l'IRC, t'es sur 115 ans, t'es bien. Au calme. Hey, j'ai installé la petite appli là. T'inquiète. Ça marche bien. Ouais, ça marche bien. Cool. C'est cool. Regarde, allez-y, foncez. C'est quoi donne le site. Mais non, mais ils viennent sur 115 ans, c'est tout. Allez, les gars. À bientôt, les mecs. Ciao les frappés. Hey. Faites le signe. C'est la team le sang.